on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Mais l'auto... La t-shirt de chez le coiffeur là, avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est énorme fils de pute là dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Lopia, bam, 360, mon gars. Bam, into. Oh putain. Salut, salut, salut. On est tué tous. C'est moi, on est en Discord 2 minutes. Où ça sera le point? Ça sera 2 minutes. Oh, attends, vous parlez au lieutenant là. Je peux mettre un coup de crosse si tu veux. Veuillez m'excuser, mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, j'ai déjà la bouche. Alors, je savais pas que ça tue quand tu viens sur la. Un pote, tu veux monter? Let's go. Quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. D'alpha, en partant là, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Yes. Eh bah, allez, on du mal à s'y faire. Allez, Cypher! What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles? Vas-y, bah il y en a plus à un moment. Ah, il y a un moment, il y a plus de balles. Faut que casse ta porte, quoi, on va du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse ta main door, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. Bip 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 bip. Victoire de défenseur. Bah. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonsoir tout le monde sur le campus de Salty Academy, vous avez passé une bonne et une agréable journée, ça va? Hein? Oui, je lance tard, oui, je sais, c'est parce que j'ai du boulot.
Et parce que je me suis réveillé tard aussi. Allez, rentrez. Grumpy Tireba 2709 PC droit au campus. 6-4 cœur 6-4 messe Pasqué. Hein? Comment ça, mais Pasqué? Bon, ça va tout le monde? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Hein, ça va? En ce vendredi 22 décembre 2023, c'est bientôt la fin de l'année. Et depuis 13 heures, exactement 13 heures, nous gagnons de précieuses minutes de jour. Eh oui, c'est le solstice d'hiver, d'été, je sais plus. Ok. En tout cas, on a changé de solstice. C'est bon, on regagne des minutes. Hein. Chaque jour, maintenant, les jours se rallongent. Aujourd'hui, du coup, doit être le jour le plus court. La preuve, il est 15 heures et il fait déjà nuit. Ah, bon, ça va du coup? Vous avez passé une bonne journée? Ça va, on va mettre un truc chill hein, pour aller dans le mood de fin d'année. Là. Merci Yayou pour les 30 mois de frais de scolarité. Hey Yayou! Bah, je peux pas trop en parler parce que j'ai reçu faut que je signe un NDA. Comment ça va? Mais il va falloir qu'on aille sur Six Day in Fallujah. Et va falloir qu'on aille sur Six Day in Fallujah. Hein. Voilà. Il va falloir qu'on soit bien chaud. En nous comparant à d'autres, peut-être, streamers, va falloir être chaud. Je partirai avec les meilleurs des meilleurs. Des mecs qui ratent pas leur smoke. Merci Ayou pour les 30 mois de frais de scolarité. Merci Grumpy pour les 21 mois. Merci Axdinx pour les 2 ans de frais de scolarité. Qui nous dit... Axdinx, PC droit au campus. Yo 6. Je suis actuellement bloqué dans le tram. Tout est bloqué, impossible de prendre un Uber et je vais louper mon train pour rentrer à Bordeaux, visage mal à l'aise. J'en ai rien à foutre. Ah, je m'en tartine le fion. Hein. Hey, non mais sérieusement, les bouchons c'est horrible. C'est horrible. Une fois, non mais écoutez... Une fois, je me suis bloqué pendant au moins 3 minutes par la porte qui sépare ma chambre de ma salle de bain. Ok ? Putain, non mais franchement, c'est hyper relou. Hein. Vous savez pas ce que c'est. Tous les jours, je mets au moins 2 bonnes minutes aller-retour pour aller au travail. Ah, les 8 ans à Paris. Ah, franchement, les 8 ans à Paris à faire 1h30 de métro tous les matins. Ceux qui doivent se taper des transports en commun, franchement, je compatis. Je sais ce que c'est. Vive le télétravail, tu m'étonnes. Le tram redémarre, je vais devoir run ma grand-mère pour choper le train. Pourquoi t'es où là? À Toulouse? C'est ça? Il faut que tu chopes le train pour aller à Bordeaux. Mais elle commence à regarder déjà les covoiturages. Un vendredi... Ah là, j'ai l'impression d'être bourré. Un vendredi soir, il y a des chances qu'il y ait des covoiturages, non? Non. Deux mecs qui font des Toulouse-Bordeaux, c'est pas non plus... Bordeaux-Charleroi, quoi. Yo tout le monde, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée? Bah écoute, ça va très bien, Shinyuku. Et encore merci du coup, Grumpy, Yayo et Axdinx d'être de généreux contributeurs du campus de la Salty Academy en cette veille de Noël. En cette avant-veille de Noël, c'est quand Noël? C'est le 25 ou le 24? J'y connais rien du tout, moi. Je suis vraiment nul à chier là-dessus. C'est le 25, Noël? Oui, c'est ça. C'est... Noël, c'est le 25. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc le 24 au soir, c'est la veille de Noël. Ah, c'est dimanche! Non, j'étais en train de me dire, attends, mais j'ai pas un truc de prévu, moi, pour la veille de Noël. Et si, j'ai un truc de prévu. Je vais aller manger une dinde avec mon daron, voilà. Vous faites quoi, vous, le 24, du coup? Vous avez prévu quelque chose? Je lance, hein. Une fois de plus, ça va être encore la transition d'R6, parce que je suis un peu débile, mais c'est pas R6. Réveillon entre amis, genre.
Entre amis le 25, le 24. Oui, car on taffe. Ah bah bravo. Ah bah merci Shinyuku pour le joyeux Noël, pour le cadeau de Noël. Noël. C'est pas grand chose, je sais. Bah c'est énorme. Merci pour les 500 bits, mon poulet. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, t'es un monstre, poulet. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est fini le fait que quand tu fasses des bits, Twitch rajoute au bout, là. Ça durerait pas longtemps, leur truc, hein. Merci, Shinyuku. Envoyez des GG et des cœurs, s'il vous plaît, pour Shinyuku. Hein, le monstre. On se tape la belle famille bien relou. Ah ouais? J'ai jamais connu ça, moi. Ah si, mais il y a longtemps. Mais le truc de la belle famille, là... Ah, je suis un loup solitaire. 110 covoites pour Toulouse-Bordeaux, je viens de vérifier. Tu vois, 110 covoites pour Toulouse-Bordeaux. Putain, t'as vu? Donc moi, je serai toi, tu vois, je cours jusqu'à la gare. Et en plus, à mon avis, départ de la gare, c'est quand même un covoiturage qui se fait, je pense. T'as pas de famille? Eh non, vous êtes ma seule famille. C'est pour ça, j'attends vos cadeaux. Voilà. Raclette avec la MIF. Mais t'es à Paris, toi, Yayo. Tu vas pas bouffer une raclette au Mexique, il fait 47 degrés, non? Genre, il fait toujours chaud au Mexique, tu sais. Ah non, t'es revenu en France, non? Je pars demain. Ah là là, demain, ils ont annoncé des vents violents, en plus, dans le... Putain, j'aurais été toi, j'aurais pas pris l'avion demain, mais bon, c'est fait, hein. Merci Romamor, t'es un monstre poulet, vraiment. C'est droit au campus. Merci d'avoir offert la possibilité à Yulo, à Vev, à Shootas, Lamarie Brice et à The Riptid, leur droit de scolarité. 6697440, c'est droit au campus. Les bots. Merci poulet, merci Romamor, t'es un monstre vraiment. Merci beaucoup beaucoup, merci pour le cadeau. Bah vraiment. Raclette à 24 degrés, ouais non pas ouf. C'est droit au campus. Tu rentres où Yayo, t'habites où déjà toi? J'adore les turbulences. What? Ah non, mais... La Marie Brice passe ses droits au campus. Ah, c'est mort. T'habites où déjà, Yayo, toi? T'habites vers où? Riptide 047 Paris. Ses droits au campus. Ah, ok, mais Paris, c'est grand. 92. 92, c'est quoi? C'est Colombe. Ah, bah voilà, Bois Colombe. Ok. Ah ouais, le quartier de Richoux, quoi. Ouais, non, non, ok, on voit bien, Yayo. Hein. Ouais, ça doit y avoir des gros cadeaux de Noël, là. Hein. Ça va s'offrir du smartphone. Je suis de Colombe, moi. Ah, ça. Ah, c'est devenu un peu Richou, n'empêche, Colombe, non? C'est pas Neuilly, c'est pas le 16e, etc. Mais Colombe, c'est assez coté, maintenant. Ouais, en famille avec ma femme, mon fils, parents, beaux-parents. Oh la vache, putain, ça va être raclette. Mais bon, avant ça, dimanche, 3h15 du matin, je pars bosser pour que tout le monde ait son cadeau de Noël livré. C'est beau, Nizu King. Femme, attends, la femme, fils, parents, beaux-parents. C'est un truc que je ne connaîtrai jamais, ça, je pense. Ah déjà, mes parents sont pas ensemble, donc déjà ça rend les choses beaucoup plus complexes. Hein, de les amener dans un même environnement sans qu'il y ait des effusions de sang. Hein, je pense que voilà quoi. Boisco, on les prix ont explosé. Ah grave, c'est très cher Boisco maintenant. Il y a un quartier bien pourri, mais il y a des coins archi cool et les prix ça tape facile au million les maisons. Ouais, je sais. Ça fait des années que je ne fais plus de tels repas de famille. Ouais, bah ouais. On est ensemble. Ouais, non, mais vers Colombe maintenant. Attention. Il y a des belles maisons. Je vais récupérer les gens. Ça se trouve, on se connaît de vue. Les autres, ils viennent de se rencontrer dans le chat, en fait. Ça se trouve, c'est ton père. N'hésitez pas, les gars.
Ça se trouve, vous vous connaissez, les gars. Papa, c'est toi ? Oh, ça fait 10 ans que t'es parti chercher du lait. MDR, ce serait grave drôle. Oh, t'es un monstre, poulet. Merci pour les 1000 bits, Romar. Un vrai monstre. Merci, vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Il offre la possibilité à 5 personnes. Et en plus, il lâche 1000 bits comme ça. Le monstre, vraiment. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, madame avec ses parents et moi avec ma famille. Mes mates R6. Toi, là, tu vas être avec tes mates R6 ? Genre Noël Discord, quoi. C'est moi le beau-père de Yayo. Yo, back, back. Non, mais vas-y, mais dites les lycées, là. On veut savoir. Les autres, ils sont en train de se rencontrer dans le chat, là. Dites où vous êtes allé à l'école. Ça se trouve, vous connaissez. Moi, je veux les infos. Ce serait drôle. Est-ce que vous étiez à Colombes tous les deux au collège ? Non, j'ai pas grandi ici, moi. Albert Camus, le lycée et collège. Non, t'étais Albert Camus. Si ça se trouve, ils se sont pécho dans les WC. Ouais, bien sûr, le fameux Glory Hall du collège Camus. Tout le monde bien connu, hein. Bien connu à Colombes. Bien sûr. Ok, merci en tout cas Romain Mort. Merci vraiment, vraiment. C'est très généreux de ta part. Allez, on va rejoindre les gens qui sont pas là, mais qu'il faut switcher pendant que je lance. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va super. C'est qui, Strike et Grumpy, là ? Oui. Ok. Bah ouais, ça va, et vous ? Tranquille. Nickel, nickel. Oh, le monstre est Roba. Qu'est-ce que t'as gagné au loto ou quoi ? On fait plaisir comme on peut. Merci, poulet. C'est très généreux, poulet. Merci. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Roma, qui vient de lâcher 2000 bits et qui vient d'arroser 5 personnes de droit de scolarité. Merci, Roma. Merci, poulet, vraiment. Roma mort. Mais c'est amor des, tu vois, de amour italien ou c'est amor de... Ah non, c'est Armor, ça. Merde. Ouais, bah vas-y, mec. Hein, franchement, hein, pendant que je suis en train de parler à mon live et tout. Hein, franchement, c'est parti. Hein. Me donner une bonne envie, là. On est bien parti, là. Ah, motivé, là. Ah là, là. Mec, il a lâché son plus gros bâillement, quoi. Le truc, on aurait dit un hippopotame, ça arrive. Aïe, aïe, aïe. Merci, Rico, pour les 5 mois. T'es un monstre, poulet. Vraiment. Rico 2409. Des monstres. Droit au campus. Ah vas-y, hein, j'ai créé. Et Danny, il fait quoi ? Il arrive normalement. Ces lampes qui s'amusent quand on qui s'allument quand on s'approche, c'est un peu chelou quand même. Ouais. Je vois. Est-ce qu'elle se déclenche ? Vas-y, essaie de s'approcher toi. Ah non, c'est qu'elle est client sided en plus. Non, moi elle s'allume. Ouais ouais, bah elle s'allume pas pour moi. Elle est client sided. Ouais. Vas-y, avance ce Strike. Non, ouais, là, avec mon pantalon ça, moulant. Non, mais c'est client sided. Client sided, surtout quand t'as un pantalon moulant, quoi. Ah ouais, mais non, mais... Ouais, juste qu'il a remis son truc en latex, quoi. Pardon. Merci Shinyuku pour les 500 bits. Merde. Mais non, mais c'est vraiment très généreux, les gars. Vous êtes des monstres, vous inquiétez pas. Déjà, 100 bits, machin. Chacun fait et donne... L'important, c'est... Le boulax l'action de Noël, quoi. Merci les poulets, vous êtes des monstres. C'est Xmas ou pas ici ? C'est quoi ? Xmas. C'est Xmas. Tiens, genre Christmas. Il parle pas anglais, Grumpy. Ah, ok, d'accord. Non, merci. Il joue à Arma. Oh. Tu jouais à Arma, toi aussi, avant, pourquoi tu tacles ? Bah, parce que bah, j'ai arrêté du coup. Parce que je parle anglais, justement. Ah, bah ouais, c'est normal. C'est le geste qui compte, exactement. Bon, et Danny, du coup, il a dit un truc, les gars. Vous pouvez lui envoyer un message sur WhatsApp ou quoi ? Je lui envoie.
Bon, et qui va se retrouver dans le chat tout seul à Noël là? Qui va faire un Noël sur Discord, quoi? Moi. Ah bon, bravo. Courage. Visiblement, moi, MDR. Mais pourquoi? Parce que t'as raté ton train, il y a encore demain, mec, hein. Non mais merci, Roma. Allez, t'as raison, 500, ça suffit. Ah, le concours de bits. Grosse blague. Qui existe depuis 2016. Merci mon poulet, vraiment, vous êtes vraiment très généreux. Il a dit un truc ou quoi, Denis? Il a dit normalement qu'il serait là d'ici 20 minutes. Ah. Du coup, il y a 20 minutes. Donc, ah ouais. Bah ouais. Oui, bah, hey, t'es mal placé pour parler, hein. Tu nous as lâché la dernière fois pour aller boire. Non. Non, c'est pas Strike, hein. Non, c'est Quentin. Ok, j'ai rien dit alors. Ah oui, c'est vrai. C'est Quentin, non, mais j'ai vu ça en stream. J'ai vu ça en stream. Je me dis, qui fait ça? Bah oui, franchement, qui va... À part Nano, là, c'est... Qui entretient sa vie sociale, sérieux? Non, mais sérieusement, t'as Ready or Not qui vient de sortir et tous les mecs, ils vont boire des Ricards avec des potes. C'est quoi le sens des priorités, quoi? Je comprends pas, en fait, le principe de sociabiliser avec les gens. Non, mais sérieusement... Alors que tu peux tirer sur des gens, tuer des civils, les matraquer, les menotter, ouais. Franchement, ça c'est un vrai samedi. Ça c'est un vrai samedi de fou. Un vrai week-end. Peut-être enlever mon pantalon parce que même moi ça commence à me déranger. Oula! Non mais non! T'as envie de te lancer sur le Twitch? J'ai envie de me lancer dans le channel discussion de Twitch. Tu vas faire de l'art. Je vais faire du body painting. De l'art avec du lard. Du lard avec mon lard. Aïe aïe aïe. T'as mis aucun bon pantalon là. Donc je vous laisse passer une bonne soirée. Merci Romain Mort, vraiment merci pour tout poulet. Yo Balou, comment ça va? Bon, ouais, Dany, quelqu'un veut le pinguer, faire sonner? Grumpy, tu peux ou pas? Ah, si. Mais j'ai envoyé un message, hein. Parce qu'en plus, j'ai pas trouvé le Wayne Grow, là, qui était venu avec nous hier sur Discord. Ah oui. Ça s'était plutôt bien passé, même s'il manquait un peu d'expérience. C'est très, oui. Je vais l'appeler, je me mute. Dommage que tu live pas demain, Six, c'est mon anniv. Bah, en vrai, ouais, ça m'étonnerait. J'ai un ami qui passe, en fait, demain. Il passe de temps en temps dans le chat. Et donc, le temps... Le truc, c'est que je suis un peu décalé en ce moment. Comme je disais, c'est pas la meilleure des périodes pour moi, les mois de décembre. Donc, je me laisse un peu aller. Ce qui est pas vraiment un truc que je fais les 10 autres mois de l'année. Mais justement, je m'autorise à me laisser aller. Donc en règle générale, là, c'est plutôt du 4h du matin couché. Même si je bosse, hein, parfois jusqu'à 3h du mat. Je suis pas juste en train de me tripoter la nouille, quoi. Mais après, du coup, bah forcément, je me lève à 11, quoi. Et de facto, après, bah tout est un peu décalé. C'est pour ça que je lance un peu plus tard, etc. etc. Et demain, du coup, j'ai un ami qui passe. Et le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire... Eh bien, je pense que je vais l'avoir dans le cul. Je pense pas que j'aurai le temps de streamer. Et après, le truc à la base, je m'étais dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait pas un truc où il est en live avec nous? On aurait pu faire du Ready or Not demain soir avec lui en live dans le studio. Parce que j'ai un autre PC, donc... Enfin, il y a deux autres PC. Après, le truc, c'est que l'autre PC, c'est un serveur. Et mais je sais pas, du coup il a que une 3050 dessus et je suis pas sûr qu'une 3050 fasse tenir Ready or Not, quoi. Bien, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Pixkeeper pour les 1 an, t'es un monstre putain, 1 an déjà. Putain, hier je suis passé voir I Kill You, il avait un abonnement d'un mec qui avait 100 mois, quoi. J'ai fait putain 100 mois, ça fait... Je crois que le plus gros chez moi c'est 70, du coup je me disais putain la vache, il a quand même lancé 3 ans avant moi quasiment.
C'est ouf quand même. Ah mais attends, vous avez débloqué, j'ai débloqué plein de trucs là en haut là. Bon, j'essaie de l'appeler, j'ai pas de réponse, je lui ai envoyé un message. Ah... Ah bah voilà, c'est à peu près... Bon là je l'ai pas mis du coup aujourd'hui. Voilà, ça c'est beau ça, ça j'aime bien ça. Et ça, ça peut pas être mis en vert. Ah c'est ça le Bortac? Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est vraiment full quoi. Ça rappelle vraiment les Marines en Irak. Avec le protège Kekette. Ah mais là, ouais, là tu bouges plus quoi. Là, le petit chest rig, là, le petit JPC, là. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est parfait, ça. Tac, tac, tac. Voilà. Avec le petit 4 tourniquets en dessous. On peut pas les faire tourner, les mecs. Un peu non. Relou, quoi. On peut pas regarder ce que ça donne derrière. C'est un peu débile, ouais, quand même. C'est vrai, c'est un peu dommage. Bah ouais, surtout quand tu t'es... Bah voilà, quoi. Quand t'as mis un super denim. Bah... Non, non, pas ça. Non, non, pas du tout. Voilà, absolument pas. C'était pas ça le... The point. Ah, c'est des hauts clés. Ouais, j'ai jamais aimé ces gants, quoi. Je déteste ces gants. Mechanics all the way. Ah, ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas de mitaine non plus. Ça, c'est les mechanics normaux, ça. Enfin, c'est une copie des mechanics normaux, je pense. Et ça, c'est les mechanics impact. Il me semble. À voir, mais ça... Normalement, les impacts, ils sont protégés au niveau des doigts, quoi. Et c'est marrant, hein, du coup, quand on y pense, Under Armour, du coup, c'est un truc qui vient de la NFL. Et mechanics, à la base, ça vient de... C'est dans le nom, hein. Ok, merci. Mechanics... Ça allez. Vient de... Allez. Allez, ok. De la mécanique, allez. Par exemple. Allez, donc du mécanique. NASCAR. Hein. Ah. Voilà. Ouais, c'est des gants de technicien de NASCAR à la base. D'accord. Enfin, faut regarder, hein, mais il me semble que ça vient de là. Hein. Je m'étais renseigné sur l'histoire de la marque. J'aime bien connaître l'histoire des marques, bon. J'ai que ça à foutre, comme j'ai pas de famille et pas d'amis, et bon... Ah, chacun son truc, hein. 720p, une 2060 laptop, ça tient, donc une 3050 large. Ah ouais ? Ouais. 720p, DLSS 3.0, tout en lot, ça doit passer. Oh bah attends... Dany, je crois il a une 3050, hein, Dany. Hein. Ah ouais ? Ouais. Salut, du coup, le jeu est devenu beau et bien. Bon. Il a toujours été beau. Hein. Il a toujours, depuis sa release, il a toujours été beau et il a toujours été bien. Oui. Là, il est plus peaufiné, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Putain, on a débloqué beaucoup de trucs quand même, là, d'un coup, là, j'ai l'impression. C'est la machine d'hier qui nous a fait débloquer des trucs, je pense. En plus, on a fait S, premier try. Ah non, deuxième. Ouais. Oui, ça. Bon, le premier il comptait pas vraiment, mais. Ouais. Ah putain, j'ai regardé la rediff, ta tête. De quoi ? J'étais énervé, putain, la vache. Ouais. J'étais trop énervé. Aïe. C'était marrant. En revanche, y a pas une autre couleur que. Putain, j'aime bien le multicam, mais j'aime pas trop le multicam en fait, moi. Ça, je trouve ça tellement moche. Le pantalon, il est où ? Faut changer la couleur du pant, là. Voilà. Ça, faudrait que j'en achète un comme ça, là. C'est quoi, déjà, comme camo, ça ? C'est ça ? Digital... Ça, c'est... Je sais pas du tout. ACU, DCU ? C'est quoi, déjà, ça ? Si quelqu'un sait, je veux bien.
Faut qu'il vienne parce qu'autrement, les gars, on va pas pouvoir. Faut vraiment un peu commencer à le harceler là. Ou à relancer dans le chat. Autrement, je m'en occupe. Donc, n'hésitez pas à envoyer du ping et tout. Parce qu'autrement, à 3, c'est pas hyper. Moi, je suis pas fan de jouer à 3 en fait. C'est vraiment 4 minimum. Et du coup, c'est quoi ça? Pas du. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, je regardais. Digital Desert Camo. Mais ouais, c'est ça, mais. Ouais, c'est du digital. C'est du. Ouais, ça ressemble un peu. Ouais. C'est camouflage marpat, hein. Mais. Ah ouais, ok. Mais je suis pas sûr que ce soit exactement celui-là. Mais... C'est ce qui s'en rapproche non, le non, plus. Non, non, oui, oui, c'est le marpat, ouais. Et t'as le marpat Woodland aussi. Merdette? Oh. Ça, mais les mecs ils sont allés et ça a forcément un. Est-ce que c'est parce que les gens s'intéressent à ce genre de truc là ou alors c'est parce qu'ils prévoient d'autres choses derrière? Parce que ils sont vraiment allés dans le détail de mettre des evidence là, hein. de mettre des éléments de l'histoire. Un mode avec un camo BME pour grimper sur Run. Mais moi ça me va, hein, Yayo. Et Yayo, tu viens là, on a besoin de quelqu'un là. Mais vas-y, viens. Putain, Yayo là. Allez, promis, je te gueulerai pas dessus, Yayo. Allez, arrête de faire ta mijorette là. Yo Jones, et dis pas je peux pas et tout, tu fais rien mon gars. je peux pas, je suis en train de monter une vidéo. Le mec, il va pas bosser pendant 2 heures. Viens, on a besoin de toi. Tu vas pas te faire prier. Mais là, je bosse. Allez, putain, la vache. Mais il a toujours cette excuse. Tout à fait. Vous avez fait sonner carrément, Danny? Il en a juste ouais, rien à foutre, en fait. Je l'ai appelé sur WhatsApp et tout, mais... Et en téléphone normal? J'ai pas son numéro. Enfin, bah, c'est le numéro WhatsApp, poulet. Oui, oui, oui. Comme ça, ça fait une vraie notif. Ouais, j'essaye. Si tu peux. Je me mute. Puis Yayo, tu bosses tellement que t'es sur Twitch, enculé. Mais et le mec, il fait que ça d'être sur Twitch. Il répond à tous les trucs. C'est en plus, tu vois, si le mec était en train de me dire « Je suis écrivain, bon, j'écoute des trucs et j'arrive à faire des trucs en même temps, j'arrive à écrire. » Mais le mec est littéralement monteur de vidéos. Donc c'est impossible de se concentrer sur un live et en même temps monter une vidéo qui nécessite du coup qui parle d'un autre jeu avec une autre personne à un autre moment. Je finis toujours vers 20h presque tous les jours. Non mais mec... 20h de chez nous ou 20h du Mexique? Ok, il vient de lancer son jeu. Qui ça, Danny? Ouais. Ah c'est brillant. Danny, dans le niveau. Et alors? C'était extrêmement drôle, ok? Ouais, ouais. Ah, putain. Vas-y, Yayo, ramène tes fesses, là. Ah ouais, putain, le mec est trop relou, franchement. Ah mais c'est les gens qui veulent se faire désirer, ça. Mais ça, c'est horrible, c'est quoi. Clair. On sait même pas lequel est de base, en plus. Le casque est donné de base. Faudrait qu'il y ait une légère évolution, ou en tout cas que ça montre l'évolution. Là, il y a des trucs, ça débloque en haut à gauche, en bas à droite. Non,
Non mais Yayou, arrête. Tu mens. C'est qui? C'est toi, Grumpy, là? C'est quoi ce pantalon que t'as mis, mec? C'est le pantalon qui va avec Lubas. T'as même pas les... T'as même pas les... les protège-genoux. Mais c'est pas grave, ça. Oh, j'aime pas les gens qui ont des trucs de protège-genoux qui mettent pas les protège-genoux, quoi. C'est le truc le plus agréable du monde, les protège-genoux, quoi. Et le relou. Mais c'est un pantalon de snowboard, quoi. C'est pas un pantalon NRBC, plutôt? Non. Non, 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 je pense pas, non. Non, parce qu'il serait... Parce qu'il fait bien... Le mien ou le tien? Non, le mien, parce qu'il fait bien plastique, enfin... Ah ouais, donc t'aimes ça. Tu t'es dit, tiens, un pantalon plastique. Non mais il est trop... Mais fallait juste prendre ta taille. Vous avez un problème tous les deux avec votre taille, quoi. Il y en a un, il prend un truc qui ressemble à un gigot d'agneau, ok? Il a les couilles qui respirent plus. Et toi, tu prends un truc 6 tailles au-dessus, faut arrêter. Mais regarde ce fion que ça te fait. Le pantalon sac poubelle, quoi. Je vais me taper un peu sur l'abs, à plus tout le monde. À plus. Bon, moi, ça m'a pas donné envie, Arena. Hein. Je confirme que... Voilà, quoi. Ouais, non, moi non plus. Yo, Spartmax. C'est bon, j'ai réussi à avoir mon train. Vraiment... Heureusement qu'il avait du retard. Ah, bah tu vois. Comme quoi. Mais toi, c'est que tu ressembles à rien. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Moi, je ressemble à rien, là. Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais. Le camouflage désert, en haut, le truc multicam. Oui, bah, et bah ça s'appelle ça... casser les formes, fils de pute. Toi, tu ressembles ah ouais, à une non, grosse mais ça s'appelle forme casser sombre. La rétine, plutôt. Mais c'est exactement le but, c'est de casser mais les formes, mal. Mon gars. Si je ferme ouais, les ouais. yeux et que je me regarde, du coup... J'ai pas le... Mais c'est vraiment, c'est les bases, mon gars, c'est la base. Ouais. Et mec, t'es une grosse... Mais vas-y, en plus, mouche-toi dans le micro, fils de pute. L'autre, il vient nous lâcher une huître d'embrun, là. Bonjour, bonsoir. Dani. Comment vas-tu? Ouais, toi. Ça va très bien. L'autre, il vient de se moucher dans son micro, ce fils de pute, quoi. Oula, t'as tué qui en bas? C'est un condamné à mort. Ah ouais. Ah bah tu... Eh hey, les mecs, en revanche, ils ont pas copié les trucs et tout, mais on en parlait. Là, pour le coup, quand c'est anglais, ils s'en battent les couilles. Mais alors, quand c'est français, regarde le nom de la boute. Elle s'appelle Salmon. Alors, je sais pas où est-ce que c'est marqué, pour le coup. Salmon. Non. Mais j'ai débloqué une boots qui s'appelle Salmon, donc c'est des Salomon. Ouais, c'est celle que j'ai. C'est celle que j'ai. Ah, c'est des Salomon. Ouais, ouais. Salmon UA2 boots, c'est des Salomon, celle-là. Là, on voit bien, elles sont toutes flex. C'est des bonnes Salomon. Et elles durent que 6 mois, du coup. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais bien sûr que j'ai la classe, attends. Ah, c'est parfait, mon gars. Bien sûr, 3 couleurs différentes, mais... T'as zéro... Je peux rien t'expliquer, frérot. Ah, le femelle blot. Mais t'as vu ton truc, toi, mon gars? Tu vas faire du snowboard, en fait. Il est où, le skatepark, monsieur, s'il vous plaît? Et ton sac d'école, là? C'est quoi ton sac d'école, là? Pourquoi t'es parti avec un sac à dos, là, de... scolaire, en fait? C'est ça. Je suis en stage. Ah, et puis bien joué, hein. Bien vu le fait de mettre les serflex dans le MacPool, hein. C'est pour éviter qu'il tombe. Ok, derrière, là, on a quoi? On a un MacPush de type... Oh putain, c'est la copie de... Ah oh, merde, les gars, aidez-moi. Ça, vous êtes pas des Gyarados? Ah, moi j'en ai. C'est bien un truc que j'en ai rien à faire. Mais il sert à quoi ton sac, mec? Je sais pas, va demander au mec qui a fait le sac. Ah oui, il sert mais... à quoi le sac? Petit sac à dos, tout là le casse-croûte à l'intérieur. Et tout.
Petite casquette de maman. IRL, j'ai ma petite ration de combat. C'est vrai, ma petite bouteille d'eau. IRL, ils ont exactement les mêmes. En vrai, donc du coup, si tu regardes, il est zippé sur le côté. C'est vraiment le bon sac, quoi. Ah ouais. Et en vrai, du coup, dedans... Bon, alors là, ils l'ont pas mis, mais tu peux mettre le camelback, déjà. C'est ça. Bon, là, il n'y a pas de camelback, pour le coup. Là, ils se sont pas fait chier sur les drapeaux basse visibilité, mon gars. Non, mais franchement, elle change de t-shirt. Attends, j'ai le même, non? Il est horrible, en fait. On est en latex, mec. Oh, c'est horrible. Pour que ça claque. Ah bah ouais, bah ça claque les samedis soirs si tu portes ça, ben c'est sûr, à mon avis. Ah ouais, là ça claque. Après bien. Les Ricard, ça claque beaucoup. Hein. Tu m'étonnes. Il a tué la secrétaire, là, tu m'étonnes. Ok, bon, bah en avant les amis. Qui moi veut je veux le même camo que Danny, là. Bah c'est du Woodland, hein. Ouais, mais je l'ai pas encore. C'est vraiment old school, hein. Woodland avec c'est vraiment très old school, avec les anciens porte-coudes. Ouais, bah ça me va très bien, ça. Avec une PR38, là, de Motorola, derrière. Ah, elle est pas mal. En revanche, il a vraiment mis le truc qui lui moulait bien le fion, hein, Danny. Putain, la vache. Il n'y a pas de hasard. Nom de Dieu, Danny. C'est pour ça que tu l'as choisi? Non, c'est que... En fait, si je veux, je peux avoir le même bas, là, que le haut. Ouais. Mais ça fait trop... Ça fait trop quoi? Ça fait trop quoi? Bah, ça fait trop camouflage et j'aime pas. Et le seul moyen que j'ai... Le seul pantalon qui est à peu près potable, c'est celui-là que j'ai. Ok. Ok. Ou alors celui-là de base, mais bon, celui-là de base... Putain, la vache. La vache. Ah, ouais. La vache. L'autre à côté. Attends, je vais le remettre, attends. Non, attends, regarde, je savais pas que tu pouvais faire ça. Regarde, je savais pas que tu pouvais faire ça. Oh, mais c'est trop bien, cette position. Le RTX sur le cul. Non, mais non. Voilà. Non, please. Oh, c'est magistre. Mais non, mais pourquoi le bas du truc en cuir? C'est pour ça que le PC à 6, il n'arrive pas à suivre. C'est le PC qui a du mal en fait. Non mais franchement, il y a le PC. Pétards. Mon PC, j'ai perdu 16 FPS là avec ton fion là, mon gars. Il y a trop de réflexion. Oh là là. Oh, c'est le... En plus, ils ont mis jean denim quoi. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bah ouais. Ouais. Oh là là. Ouais, dis donc, bande de gros dégueulasses. Oh putain. Eh non, mais c'est vrai que le jeu il a tendance à rendre les tenues un peu plastifiées. Hein. Oui, ça je suis d'accord. Ouais. Bah c'est pour ça que j'ai mis ce pantalon là. Pourquoi tu me regardes le fion? Moi c'est parfait, hein. C'est ni trop ni pas assez, hein. Je bloque la porte. On dirait une... Ah ouais, bah là tu la bloques bien, mon gars. Ah ouais, il y a plus besoin de cale-porte là. Il y a toi et ton fion. Ça fait deux déjà, du coup on part à 5. Oh là là. Oh putain, les cons. Ok, bon allez, en avant. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai trop geeké là, j'ai mal. Attends, tu peux te mettre sur la pointe des pieds, c'est ça? Oui. Ouais, le, c'est ça. Le alt, je le fais tout le temps, moi. Je fais que ça maintenant pour décaler. Autour des shields et tout, je fais que ça. J'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais je fais même plus de A et de E en fait. C'est vrai que c'est méga pratique c'est de faire ça. C'est hyper bien, t'arrives à chaque angle. Là, si le shield il est devant toi et tout, tu viens de jouer sur le côté, tu vois, même entre les jambes, parfois si le mec, genre, il monte les escaliers devant toi, le shield, et tu mets des balles de ouf comme ça. Ok. Mais attends, même en étant sur le côté, tu peux te lever et te baisser. Oui. Waouh. Ouais, tu peux te mettre sur la pointe des pieds, sur le côté, tu peux. C'est vraiment bien quoi. Bah, avec ton pantalon, je sais pas, mais nous on peut. Enfin, toi, ouais. Pendant la mission, tu entends un gros. Toi, à chaque fois que tu fais le bruit, là, ça fait. Il y a un petit. Il y a un petit grincement. Mais même, de descendre un peu à la Tarkov, genre juste descendre à la Tarkov, tu vois. Genre ouais. Juste flex sur des endroits où tu dis ok, j'ai pas besoin d'exposer autant, genre là par exemple juste derrière la table, tu vois. Ah oh, j'adore ouais. Ça moi, je fais que mais ça. Mais c'est dommage qu'on puisse pas rester comme ça et qu'on puisse se déplacer à cette hauteur. Ah bah oui, toi je comprends bien, oui. Bah, avec, moi, un choix, avec un choix de pantalon comme ça, t'as grave envie de... Ah j'aurais un cul comme bon, ça, moi aussi j'aurais envie de me balader toujours comme ça quoi, franchement. Allez les gars. J'ai...
J'ai okay. que du denim là dans mes, oh dans mes étagères. Vache. Non, ça, ça c'est vraiment le jean vu par les Américains quoi. Nom de Dieu. Ok. Ok, bon du coup. Bah en avant. On n'a pas de shield par contre. Hein. Bah moi, oui, j'aime qu'est-ce pas qu'on... le shield. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ok, vous savez quoi, bon, je vais prendre le shield pour la prochaine fois. Non, vas-y, je vais le faire. T'es sûr? C'est ouais, méga chiant comme gameplay. Hein en vrai, moi je suis un support. Ouais. Hein. Moi, je... C'est pas que c'est chiant, mais c'est bien qu'il... Juste au moins une pour que pour les viewers et pour qu'ils voient, parce que du coup ils... Ouais ouais, non mais moi j'aime bien être le support, j'aime bien être le shield, moi. Vous aurez pas trop de problèmes sur Et puis de base, en vrai c'est pas mal parce que de base tu te fies par rapport au bouclier justement. Donc Ouais ouais ouais. Tu ouais, te positionnes par rapport au bouclier, du coup c'est pas plus mal dans un sens. Alors attends, c'est dans quoi déjà? C'est vrai que le gameplay est très spécial. Configuration... Et c'est dans... à la place du M320? Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Mais moi je l'ai le M320 en tant qu'un cas où. Smoke ou Impact? Fulgu. Ouais, Fulgu il est bien. Faut juste bah, pas faire la même connerie que la dernière fois quoi. Et en avant quoi. Mmh. Et après ouais, comment est-ce que tu cliques? C'est clic droit du coup dessus? Pour et... reviser? Ouais. Ah ouais. Ouais. Clic droit et du coup après je peux mettre un coup de lumière. C'est ça. Ok. Ok ça marche. Et derrière j'ai quand même mon shot. Et j'ai quand même mes smokes au final. Ok, ça marche. Ok, let's go. Okay. Du coup, Rust Bernd c'est fait. On va avoir Sin of the Father. Là, j'étais trop déçu hier de pas être là, putain. La machine dans ouais. la grotte, elle était incroyable. Ouais, j'ai regardé le live, putain, après. Oh là là. Elle était t'es vraiment parti comme un voleur. Ouais, mais bon, ça avait mal commencé. Mais... C'était un peu compliqué là. Il y avait Alro qui commençait, après il y a eu Wengro qui commençait. C'était un peu dur du coup. Voilà. Mais bon. Ok, du coup, là on a trois entry points, les amis. On va aller taper sur un hôtel. Bon, je vais partir sur l'idée que je le connais pas, donc. Enfin, je le connais pas de manière. Donc, je le connais pas partir. Du tout, moi. Ah, ça me fait extrêmement plaisir de savoir ça. Bah toi, c'est une nouvelle ça. Ok. Du coup, ne mettez pas Y, les amis. Ah oui, pardon. Non, t'inquiète. Allez, en avant. En avant. Très bien. Écoutez, vers 3h30 du matin, on a reçu des rapports sur une situation potentielle à l'hôtel Clémente. Selon les rapports, la famille Frémont s'y trouve actuellement à l'abri. Oui, oui, il s'agit des mêmes Frémont que le politicien impliqué dans la fusillade d'hier. Quelle est la fiabilité de la source? Le chef de la sécurité de l'hôtel est en ligne. Il a été alerté de la situation par un des enfants Frémont. C'est Michael Frémont, âgé de 20 ans, qui a le premier attiré leur attention sur la situation. Il était à l'extérieur, rentrant à l'hôtel, lorsqu'il a signalé avoir vu un nombre indéterminé de suspects armés essayant de pénétrer dans les locaux par l'escalier de secours extérieur. J'ai pas besoin de vous dire à quel point le département n'a pas besoin que la famille d'un homme politique important soit assassiné en ce moment. Vas-y, c'est toi. Grumpy. C'est moi? C'est qui? Vas-y. Grumpy, normalement. Grumpy? Bah oui, team leader. Comment allons-nous entrer dans le bâtiment, monsieur? On n'était pas là du tout. Hein. Vas-y, Danny, il est débile. Nous avons demandé à la sécurité de mettre en place un verrouillage et nous avons des images dans les couloirs. Ah mais bon, rien j'ai pas vu. Du penthouse elle-même. Nous attendons les plans. Mais ils n'arrivent pas à temps, nous devrons y aller à l'aveuglette. Le temps est compté, nous savons qu'il y a 6 membres de la famille là-haut, ainsi que plusieurs membres de la sécurité privée. On doit faire sortir la famille sans faire de victimes. On y va avec une force létale ou pas, en fait. Nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur sur ce coup-là, est-ce que c'est clair? Comment allons-nous entrer dans le bâtiment, monsieur? Ben, on en va entrer de deux façons. Je veux que la moitié d'entre vous suive l'itinéraire d'entrée des suspects par l'escalier de secours. Levez-vous, entrez, sortez. Le reste d'entre vous, je veux que vous soyez à l'intérieur, dans les escaliers. Dégagez et les civils dans le hall. Je vous veux au penthouse dès que possible pour faire sortir les membres de la famille. Très bien, préparez-vous. Nous sommes à 2 minutes et nous signale des coups de feu. Rappelez-vous, c'est le 14e étage. Je vous tous là-haut rapidement. Ok.
Ladies and gentlemen, bon, en termes de suspect, du coup, chargé de la sécurité de la famille Frémont, ça, c'est les informations qui m'ont été données. L'équipe a pour rôle d'intervenir en cas d'urgence, d'évaluer les menaces, d'assurer la protection physique. Bon, ils écrivent que rarement que de la merde. Les agents malhonnêtes ont été rattachés à la famille pendant toute la durée de la campagne de Cornelius. On s'en fout. Ces individus ont passé profond, obscur d'opérations clandestines à l'étranger pour diverses branches des forces spéciales. Donc, on doit s'attendre, c'est ça qui nous intéresse, à tomber sur des mecs qui savent à peu près manier leurs armes, ok ? On n'intervient pas comme hier, là, avec désolé, mais trois Mexicanos dans une grotte qui nous tirent dessus avec des parpaings, ok ? En termes de civils, du coup, toute la famille Frémont, ok ? Belle Frémont, Lucille, Jock, Alex, Ira et Michael. Bon, du coup, vous avez compté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, du coup. Voilà, ça ce sont les civils, c'est toute la famille, donc le politicien et sa famille, ok ? Pas vraiment d'autres informations, si ce n'est le fait que nos missions du coup sont de ramener l'ordre sur l'hôtel et de sauver tous les civils, bien évidemment. Moi aussi. En avant. Très bien. Merci Bill Black pour les 16 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Putain la vache, le RP. Ils sont trop débiles. Pourquoi est-ce que ça me gratte toujours le nez ? Putain, je dois avoir une poêle dans le nez, ça me saoule. Attendez, bougez pas. Je vais utiliser la caméra. Farine. Quoi ? Oh non. Non, mais genre vraiment pas en plus. J'ai jamais pris ça de ma life quoi. J'en ai essayé des trucs et tout. Mais ça, j'en ai jamais pris de ma life. Non, ça, genre vraiment pas. À chaque fois que je viens jouer. Ok, bon, let's go. Ah, okay. À chaque fois que je viens dans le stream en ce moment, ça me gratte le nez. J'ai juste allergique au chat. Je vois pas. Pas une allergie. Il y a un truc qui me. Comme ça là. Ok, let's go. Ok, excusez-moi. Allez, on avance. Ah, il serait qu'il y a un bouclier, j'ai vu. Ok, y'a pas d'entrée par là. Je regardais, ouais, non, y'a rien. Bah, on avait l'impression. Ok, deuxième vas-y, Dani. Y'a rien sur le top ? Non, y'a rien. Pas d'autre entrée, ok ? Ok, on a deux fenêtres à nous midi en descendant l'escalier, faire attention. Ok, reçu. Évitez d'allumer les lampes pour pas attirer l'attention. Ouais, vas-y. J'ai aucune idée de ce qu'on essaie de taper là et de où est-ce qu'on va, ok ? Reçu. Ok, écho son. Oh, j'entends, ouais. Juste à votre bouche, ouais. Allez, on s'emmerde pas, on wedge. Quelqu'un pour wedge, please. Ouais, je suis en train. C'est wedge. Qui est le dernier ? C'est le présent, c'est Grumpy. C'est toi qui fais le qui tient le bouchon arrière. Parce que je vais mettre plutôt derrière le deuxième alors. Faites attention, au 15h on a une fenêtre. Ok, derrière c'est fermé là, d'accord. On wedge. Merci. Ici, on retape sur l'autre du dessus. Ok, c'est wedge. On est bon. Faites attention à la fenêtre hein. Ouais. J'ai les fenêtres en visu de toute façon avec vous. Ok, je vous fais un couloir de mouvement à ma droite. Vas-y, strict. Try. C'est bon. Ouais. Ok. Vas-y, Grumpy. Ah bah, il peut le faire, Strike. Non, strike peut faire. Ouais. Ouais. Moi, je prends les fenêtres en visu. En plus, moi, j'ai une longue portée. Enfin, j'ai un visu d'assaut. Ok. Enfin, j'ai le VKS. C'est un couloir qui part tout droit. Il y aura du coup un civil mort en face de nous, à notre midi. Une porte à nos 10 heures quand on rentrera. Fermé, deux couloirs qui partent chacun d'à côté, droite et gauche. Au fond du couloir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Okay. Porte fermée, porte ouverte ? Porte fermée, pardon. Ok, pas de piège ? Non, négatif. Ok. Au-dessus. Ok, si je te pique la porte. Ouh. 3, 2, 1, je me pique. Ok, je regarde à l'intérieur. Ok, j'entends des échos à ta droite, Six. Ok, je vais légèrement me décaler pour prendre l'information.
carrosserie. Et qu'au son à droite, pour moi, il n'y a pas de passage. Hein. Ouais, non, je vais utiliser ouais, la... porte pour la travailler un tout petit peu. Mettez-vous en fonction. Juste pour la pousser parce qu'elle m'a l'air en métal et elle m'a l'air sympathique, cette porte, ok? Vas-y. Mmh. J'entends des écossons plutôt à ma gauche maintenant. Ouais, plutôt à ma gauche. Affirmatif, ouais. Attention, ça peut open. Hein. Je vais essayer de pousser. Ok, ça marchera pas comme ça. Ouais, non, ça marche pas malheureusement. Ok, effectivement, devance. On a. Contact, contact à 11, contact à 13h. Envoyez une smoke. Contact à 13h, 6 mètres. Ok, vas-y. Je garde l'arme. Dès que c'est smoke, tu peux être PC6. Ouais, dès que c'est smoke, je vais ouvrir la porte. Ok. Et on reste là. N'hésitez pas à faire des haltes autour de moi, c'est là que vous allez kiffer. Pour vous incliner. Ok, là où tu mets ton laser, c'est là qu'il était le mec. Hein. Face, ça décale, il est face midi. Face midi, 6h. Ok, je suis blessé. Okay, je désengage. Ok. Je désengage. J'ai pas à me blesser. Il est au fond du couloir, le couloir s'ouvre sur un 90 gauche, il est au niveau de la valise bleue. Okay, faut balancer la smoke là-bas. Vas-y, Astrid. Ou vas-y. Non, j'envoie. Vas-y. Attention, s'il redécale l'autre. Hein. Vas-y. Quelle ligne? Allez, envoie mon poulet. À la droite. Elle est pas mal. Ah, allez. Ouais, allez. Elle a rebondi un peu. Ok, à port, du coup, à 3 mètres à gauche, double porte fermée. Je vais ouvrir, je vais prendre l'info à droite. À droite, absolument rien du tout, ok? Ok. Je vais commencer à faire... Ouais, si... Non, on peut rester là. Ok, mais les gars, s'il vous plaît, le gars il décale, vous me le shootez, quoi. Ouais, mais il faut du coup que tu restes accroupi. Ok, très bien. S'il redécale en face, là, faut lui taper au niveau... Il a vraiment fait une décale d'enculé, hein. Vous voyez la lampe? C'était là, hein. Ouais, j'ai la ligne. Trike s'occupe de la droite. Allez, mieux, t'as la smoke, là. Ça décale. Bon. Ok, je me décale, je vais mourir autrement. Okay, j'ai pris des balles. Ok, je vais l'appeler. J'ai pris des balles, c'était pas forcément lui. Ok, il vient sur nous. Je vais repasser sur Tali. Ok, je vais reculer, Grumpy. Tu reprends mon le relais le temps que le monsieur. Viens, prends son arme, Nice. Moi, je le garde, Ok, celui qui est à gauche, celui qui est main courante à gauche. Des flèches à ta gauche, pour les... Celui qui est main courante à gauche va ouvrir du coup. Il met son arme, les gars. Mais putain. Il l'avait pas enlevé, ce fils de pute, hein. Attention, faut fermer la porte. On ferme la porte. Ok. Strike, tu t'en occupes, j'en occupe, ouais. Ok, je m'en occupe. Ok, allez-y. Le serflex. On le prend, on le serflex et on va mettre le paquet en haut sur le toit. On s'emmerde même pas, ok? Quelqu'un peut wedger la porte, c'est pas inconsommable. Quelqu'un peut re-wedger. Vas-y, ouais. Ok. Décale-toi encore à gauche, poulet. Ouais, ça marche, excuse-moi. Je peux pas wedge la porte. Ok. Quelqu'un peut sécuriser. La wedger. Non, j'ai pas le. Je peux m'en occuper, laisse-moi passer dans le pied. Normalement, tu. Bah là, sinon, ouais, ok. Non, tranquille, on a le time. Ok. T'as wedge? Ouais, c'est wedge. Ok. Très bien. Je reste là, les gars. Je reste en face de la porte ou je reste à 90 gauche parce que j'ai un peu peur des fenêtres là. Ok. Tu peux rester là tranquille au chaud. Et on va mettre le paquet sur le toit. On s'emmerde pas, on prend notre temps, ok? Le toit, c'est Vince, hein? Ouais, mais le paquet, le bonhomme, il est où, lui? Ah, bah c'est bon, il est sécurisé, je l'ai dit. Ok. Il est sécurisé, t'as pas. Et bah vas-y. Ok. Ok, juste, on s'en rappellera, du coup, il y a. Son pistolet. Faites gaffe, ils se rendent pas, ces fils de pute. Je peux faire un petit coup de miroir encore dessous là. Vas-y, bien vu. Ouais. Si quelqu'un pourra déwatch parce que le mien, j'arrive pas. C'est un peu. Ok, j'ai rien du tout de nouveau. Les deux portes à gauche, en effet, elles sont. Ah non, il y a une des deux portes qui est ouverte à gauche. Et il y a toujours le civil et aucune info, aucune autre info. Bien reçu. Okay. Fais gaffe là-bas aussi, Grumpy, je sais pas si ça peut sortir. Tu peux, celui qui est à ma gauche, du coup, peut déwedger. Ouais. Et on refait la même. C'était pas forcément lui, hein. Lui, il est sorti de la double porte de gauche. Ok, ouais. 2 mètres après la porte de gauche, il y a un couloir 90, c'était prêt, là. Ok, moi. On recule de la gauche encore. Hein. Strike. Ouais. Je pique la porte. Vas-y, allez.
cas, je prends une info. J'ai rien, je vais pousser un peu la porte. Attention. Attention les lumières derrière. Ok, du coup, il y a un couloir. Vous voyez, il y a deux canapés à droite. Dans le prolongement du canapé, il y a un renfoncement. C'est là que la première fois, le mec s'était montré. Donc il y a une ouverture à droite vers je ne sais pas quoi, ok. Ça tire, t'en prends plein la gueule, Je sais, dégage, recule. T'es bloqué par la rambarde. Ok, je l'ai en visu. Ok. Je balance une smoke. Ouais, ça aurait dû partir direct, hein. Le troisième qui t'a pas de ligne directe, si ça tire, faut le faire. Du coup, j'ai plus aucune info, j'ai plus aucune visu avec mon shield. Ah, je vais ouvrir la porte. Ok. On est trop lent dans la réaction, les mecs. Est-ce que je suis bon là? Ouais, c'est bon, ok, c'est bon. Tu crois? Tant pis. Les gars, des réflexes, please, hein. Ok. Ah, y'en a eu là. Ah ouais? À gauche, ouvert ou pas? La porte de gauche, elle l'a refermée. Okay. Le mec, il est où? Danny, ah, il est en face. Danny, de moi. Tu rentres avec Six là. Vous rentrez, non, vous négatif, allez... négatif. Lui, on le prend, on le prélève, on le ramène. Non, t'as vu à quoi il tire et comment il tire, ces fils de pute? Ok, tenez-le en joue, please. Il va se relever, ce fils de pute. Moi, je m'occupe d'arriver. Vous l'avez? Nice. Oh, ouais. Je continue à droite alors. Vous... Allez, faites gaffe sur... Il va vouloir se relever, lui. Je vais le laisser passer. Je recule, ok? C'est sûr qu'il va vouloir se relever, ce fils de pute. Ferme la porte, Strike. Ouais, je prends les cubes, c'est bon. Ok, en avant. Super, on le prend, on va le foutre sur le toit. Ciao. Okay, on me remet en place et on est bon. Attention aux ouvertures de porte si ça fout de la merde. On attend Danny et okay. On est bon. Ok, les gars, c'est simple. Hein. Y a un truc qui est hyper simple. Quand votre pote a la ligne directe sur un mec, c'est en train de tirer. Là, y a même pas besoin de dire je balance une smoke. Celui qui a pas la ligne directe sur un tir, en fonction de ce que le bouclier lui dit, en fonction des bruits qu'il entend, il balance une smoke directe. S'il a pas de ligne directe, autrement bah il sert à rien en fait. Vous pouvez pas ne servir à rien, vous voyez ce que je veux dire? Ah si. Ouais. Et au pire, pour le coup, le gars, il, je lui ai mis deux balles hein, quand il tirait. Hein. Ouais. C'est que la troisième où il a réagi. Ouais, ok. Ok, moi je suis en place. Ok, je vais pique. Okay. Je regarde mais je vois rien, ok. Je vais repousser la porte. Et je l'ouvre pas des masses, ok. Vous me dites si vous préférez debout ou coucher, hein. Là, c'est mieux quand t'es comme ça. C'est très bien comme ça, ouais. Ok, je vais ouvrir un petit peu plus à gauche. Attention. Et je reste au milieu. Quoi? Attends, je vois rien. Non, y'a personne, y'a personne. Ok, si c'est bon. Ok. Du coup, ce qu'on va faire... Attends, deux secondes. Vous allez balancer une smoke à peu près là où il y a le laser, c'est-à-dire à 90 à 1h dans le coin pour que ça touche du coup le couloir au fond et le couloir de droite. Donc dans le coin qui est à nos 1h le plus profond possible, quoi. Donc c'est plutôt à celui de gauche. Ouais, parfait, impeccable. Ok. Moi, je vais faire main courante à gauche et quelqu'un me suit. Du coup, celui qui est à gauche, c'est Strike, okay. J'imagine. Ouais. Ok, main courante à gauche. 3, 2, 1, top. Gauche derrière la porte, clear. Je fais main courante à gauche, on se met là. La porte de gauche est peut-être ouverte, je vois rien, frérot. Elle est ouverte. Balance une smoke dedans, réfléchis pas. Ouais, je m'en occupe. Ok. J'entends peut-être des... Attention, le couloir à droite là-bas. Ok. Quelqu'un peut la fermer, la porte, please? Allez, on la ferme. On la ferme. Ok. Je vois rien, nom de Dieu. Je vais ouvrir à droite, du coup. Quelqu'un prend le 9h gauche, là. Ouais. L'autre... Vas-y. C'est bon, Strike. Hein. Je suis en appui d'air, toi. Attention, mais 9h gauche, l'autre couloir. Merci, c'est pris. Excuse-moi, poulet. Ok, j'entends parler dans le couloir. Écho son, du coup. Quelqu'un fait le...
Je vais devoir passer pour aller prendre justement l'information de ce qui se passe derrière moi, ok, au niveau de 9h gauche là. Donc quelqu'un me suit, please. Et quelqu'un garde la ligne, s'il vous plaît, du couloir en face de moi. Merci. Ok, 3, 2, 1, je vais passer en crabe et je me retourne. Ok, Strike, décroche et va avec ses... Attention, je vais prendre l'info. Je suis sur ton épaule, Danny. Excuse-moi, je vais avancer tranquillement, main courante à gauche. Et je regarde, ok. Vas-y, je te laisse une ligne, mon poulet. Et on attend là 2 secondes. Ça marche. Double porte est wedgée ? Si. Ok. S'il y en a un qui vu qu'il y a normalement, il y a besoin que de 2 personnes. S'il y en a un qui veut checker la carte, il peut le faire à la limite. Et nous dire un petit peu ce vers quoi faudrait aller. Dans les faits, de toute façon, on wedge le maximum de portes et on fait le maximum de couloirs. Ça, c'est logique. Hein. Ok. Je suis en train de checker la map. Ok. Galerion. Merci Sowix pour les 6 mois de phrase polarité. J'ai entendu un écosson. On a que le premier étage. Fuck. Ok, non, second. Ok, second. J'entends du contact là. Le coup. Ouais. Ouais, hein. Qui est-ce qui est derrière moi? C'est moi, c'est Strike. Ok, bah, moi j'entendais. Je sais pas si c'est un couloir à droite là. Ouais, on dirait une sorte de okay. Grand couloir. C'est en quoi, face de franchement, en. Oh, fonce, les gars, les gars! Okay. Y'en a une d'ennemi. Ça tire, on a deux, balancez une smoke par-dessus nous. J'envoie. Non, c'est pas à toi, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas à toi, effectivement, mais on aurait même pas dû la demander, comme je le disais tout à l'heure. On a 2 personnes, du coup. Tu les fais venir, mon poulet. Tac. Je vais me mettre debout, d'accord? Je joue plutôt entre moi et le. Je me mets debout et joue entre le truc de luggage et. Attends. Faut attendre qu'ils arrêtent de pousser là. Ouais. Ok, occupe-toi dessus à gauche, Strike, tu m'occupes dessus à droite. En fait, je peux les faire venir. Hein. Je sais pas pourquoi le shield okay. Le fait pas parce que je peux les faire venir. Tu peux les faire venir? Ouais, ouais. Ok. Ils vont venir, il y en a un des deux qui va se relever, les gars. On est pas naïfs, please. Hein. On les garde en gauche. Okay, le mec en blanc, il va venir sur ta position, Grumpy. Bah derrière toi. Je lui ai dit d'aller derrière toi. Please, je veux pas me prendre 2 coups de couteau. C'est... La ligne est compliquée à prendre avec le shield là, Six. J'ai en cas où Six sera le deuxième aussi. Ok, bah je vous fais confiance. Hein. Ok, là, ouais, il faut que tu te décales, Six. De vers quoi? Droite, gauche? Vers la gauche, gauche. Gauche, ouais, okay. Vers la gauche, ouais. Ok, il s'est arrêté. Attends. Je les coiffe. Ok, super. C'est bon, je vais m'occuper de celui à droite. Vas-y. Bah, c'est déplacé, ça, les gars, c'est propre ça. Ouais. En revanche, une fois de plus, les gars, ça a tiré. Il y en a un qui va garder la ligne. Ok, ça a tiré. Il y en a un qui tire sur le fusil à pompe. La raison pour laquelle il a sorti sa smoke, elle est pas bonne, le réflexe de Strike. Mais il le fait parce que ça met trop longtemps en fait à sortir derrière. J'avais ma smoke dans les mains et en fait, quand je l'ai vu. Dis-le, mon poulet, dis-le, je smoke. Tu sais, tu savais où est-ce qu'on se faisait tirer dessus et tout, t'adaptes par rapport au tir, quoi. Voilà, surtout si vous faites rien, enfin pas rien, mais vous voyez ce que je veux dire, par-dessus l'épaule du shield plus le mec au shotgun derrière. Faut que tu me dises, mon poulet, Strike. Merci, super, Danny, nickel. On déplace le deuxième, et à tes pieds, il faudra que tu te décales un peu, à mon avis. Sur la droite. Parfait. Ah oui, c'est toi derrière moi? Non, attends, oui. Là t'es là, ok. Oui, c'est moi. Ok, excuse-moi. Mais c'est pour que... Ouais, c'est bon, je me replace. J'entends des civils. C'est en train de gueuler. Peut-être au bout du couloir à gauche devant moi, mais c'est loin. Fais-le venir vers toi un petit peu encore, lui. Je vais sécuriser le mien sur le toit. Ouais, t'as un monstre, hein. Oh non, putain, merde. Sorry. Putain, je pensais pas qu'il okay, sort, il était assez con pour noir, sortir. Du coup, tu peux très bien faire ça et sortir ton... Attends, fais gaffe si je quitte la ligne de zone pour lui ouvrir la porte. Bien sûr. La Strike, parce qu'il est fermé. Ouais, je suis désolé. Je me remets au niveau du luggage. T'inquiète. C'est là que tu peux la laisser ouverte, normalement, c'est...
Ok, je suis hors là. Ok, je vais commencer à shifter là. Tu me dis s'il y a des ouvertures à gauche et droite, je vois rien. Il y a une porte à gauche, non ? Attends, je vais te dire ça. Ah, il y a une porte à gauche, frérot. La fille est ouverte, je crois. J'ai du mal à voir, mais... Ouais, c'est possible. Et à droite, c'est... À droite, il y en a une, mais un peu plus loin. Genre un mètre après. Pas à droite. Je vois rien. Elle est ouverte, celle-là, à gauche, là ? Ah, fille, ouais, elle est ouverte. Ok, je vais passer devant, mon poulet. Hein. Sois prêt à balancer une smoke. Il nous faut une troisième personne ici. Dany, t'es avec nous ? Ok, bah prends face midi, mon poulet. Fais... Mets-toi main courante à droite et prends face midi. Oui. Ok, et c'est Dany qui va jouer la porte, ok ? Nom de Dieu, c'est quoi cette musique, là ? Ok. Je passe devant, grande porte ouverte qui donne sur la porte double de l'autre côté. Vous pouvez la fermer du coup maintenant. Ok. En passant à gauche, voilà, wedge. Je me mets face midi. L'autre elle est ouverte de l'autre côté, bordel de queue. Ouais, ça, je suis... ok. Excuse-moi. Je vais faire même chose devant du coup. Je passe. Je vais faire un shift en crabe. L'autre est wedge. Je vois rien, ça peut être wedge ou pas. Putain, je vois rien du tout. Ça peut être... Vous pouvez la wedge, vous pouvez... Bah, vous pouvez faire le même. Et il y a une deuxième ouverture à droite. Ok, j'ai un contact civil visiblement en face de dans la direction de mon bras, du coup à 2h pour vous, enfin quasiment à 6h pour vous. Mais fermez la porte, on s'en bat les couilles, ok ? Ok. Voilà, super, allez, je peux avancer. Wedge. Vas-y. Ah, j'ai plus de wedge. Quelqu'un peut wedger ? Grumpy, t'as des wedge ou pas ? Vas-y. Ouais, je reviens, je vais prendre leur place. Vas-y, tu peux décrocher. Merci. Ah si, mais c'est Hollywood Tower Hotel, le truc. Négatif, je peux pas. Pas wedgie ? Non. Ok, check ce qu'il y a dedans et vous la tapez la porte. Merci. Quelqu'un est derrière moi ? Je suis derrière toi, Six. Ok, très bien. Je vais faire une main courante à gauche pour que tu puisses ouvrir à droite, ok ? Ok, porte très bien. Non piégée. Ouais, colle-moi au cul et regarde à droite, voilà. On a une... Face à nous, on a une baie vitrée qui donne sur l'extérieur, c'est race, on a une sorte de salon en fait, c'est race, mais on a une porte à nos 10 heures qui est ouverte. Donc, j'ai pas visuel sur ce qui se passe à l'intérieur parce que la porte, c'est la porte à 3, la porte à 3 heures, elle est... la porte à 3 heures... Bah les gars, de toute façon, on peut pas laisser un truc derrière nous, donc on vous laisse le gérer tous les deux, Grumpy et toi. Nous, on reste au bout du couloir. J'ai des escaliers sur ma droite, X. Ouais, bah écoute, bah bougez pas, faut vous les tenir. Ok, Dany, on va aller fermer la porte en face parce qu'en fait, ça nous fait chier. C'est celle-là qui nous fait chier depuis tout à l'heure. En vrai, je vais passer sur mon arme, mon poulet. Vas-y. Donc fais gaffe. Fais gaffe à droite. Mets-toi plutôt. Viens, on se met en croisé. Vas-y, parfait. J'ouvre à ta gauche, poulet. Okay, donc il y a toujours le couloir 90 du début là, qui est Ouais, la fille, on vient de fermer la porte au bout. Mais le problème c'est qu'on a plus de wedge quoi, du coup on peut pas la wedge. Essaye de vérifier à double porte. Et si c'est clean, on peut récupérer le wedge. La double porte c'est aussi la porte du ouais, côté je pense hein. C'est le piano là. Aussi. C'est ça le piano en fait, moi j'ai vu un piano dedans. Ça peut être que ça de toute façon. J'entends, tu bouges là Dany ou pas ? Là je bouge plus là. T'entends ? Ouais. Ok, j'ai plus d'écho de... On va checker à l'intérieur, Dany. Vas-y, qu'on s'en récupère. On a un écho son soit dans le piano, soit en face de toi, Dany. Soit en face de toi, pardon, Danny, Strike. Excuse-moi. Ouais. Ok, je pique pour toi, Dany. I got nothing. Le gars... Ils sont en train de chercher la famille, les mecs. Je pique pour moi. Au bout, c'est race, pour moi. Ok. On va faire un croisé. Ouais, vas-y. Quand t'es prêt, poulet. 3, 2, 1. Go. Vas-y, poulet. Ok, piano RS. Ok, brasse. J'ai une porte. Ok, on a une wedge. C'est celle-là du couloir, à mon avis. Et on a une porte ici. Ouais. Ok, je vais juste wedge la porte du couloir, du coup, du fond là. Et je reviens sur toi. Ça marche. T'as récupéré le wedge ? Ah, fille. C'est peut-être toi qui l'as récupéré du coup. Non, c'est moi, justement. Ouais, c'est ah, bah vas-y. Tu peux récupérer celui-là au pire. Vas-y. Et moi, je wedge celle-là du coup. Ok, celle-là est wedge. Tu récupères celle-là. Voilà, nickel. Voilà. Tu wedge au fond. Par contre, depuis tout à l'heure, j'entends quelqu'un dans la pièce. Ouais, bah on va aller checker, poulet. Ok, t'es prêt ? Je check en dessous. Vas-y.
Ok. On a un pack pile devant la porte. Ok. Okay. Il double la porte. Non, en face. Non, on est dans le couloir tout début qui partait sur la droite. Ok, il est en face de nous, Danny, à 5 mètres de la porte. Les gars, okay, la porte qui est derrière nous, du coup, elle est pas wedgée. Laquelle qui est derrière nous? Là, en gros, on sécurise les pièces qui est derrière nous, comme ça, au moins, on est safe pour progresser là. D'accord, où vous êtes. D'accord, mais là, on était en train de progresser jusqu'à une porte où Grumpy t'est venu. La porte, tu nous disais, où t'avais pas de wedge pour la fermer. C'est ça. Et du coup, vous l'avez pas wedgée. Négatif, ouais. On n'a pas de wedge. D'accord, ok, bon, bah ça veut dire qu'il faut qu'on recule. Nous, on peut pas se mettre à un truc alors que. Ouais. En fait, la porte qui est derrière nous, elle est pas gérée. Mettez-vous juste ici. Recule, fais gaffe, poulet. Désengage et regarde derrière plutôt. Ok, Danny. C'est cette porte-là à gauche, là, ils l'ont pas wedgée. Ok, ok. Je recheck sous la porte. Ok, le Pax là, Danny, t'es prêt? J'ouvre la porte, tu l'encules, après, il est direct face à tes mises. Tu veux qu'on la joue ou quoi? T'es prêt? Jouer, hein. Je pique, vas-y, tu l'encules. Ok, je fais recheck. Avance un peu pour ma gauche. Non, ah, négatif, j'ai ouvert. Ok, ça marche. Il y avait personne tout à l'heure d'en face midi. Okay, je recheck sur la porte pour voir s'il a pas bougé. J'étais 9h au cas où. Ok, il a pas bougé, il va être pile en face de toi, Danny. J'ouvre, tu le déboîtes. T'es prêt? 1, 2, 3, go! Ok, du coup. À 9h derrière la porte, il y a quoi? Ça donne quoi de l'autre côté? On a un Delta Charlie Delta de l'autre côté. Ah si. Ok. Tu pars avec moi directement à droite, ouais. Poulet. À 3h, ok? Ça marche. Ok. 3, 2, 1, top. Police, don't move. Hands up. Police, je me mets au niveau de la porte. Tu le gères? Ça marche. Y'a rien d'autre? Moi je vois rien d'autre dans la pièce. Hein. Y'avait d'autres. Je vais vérifier, y'a peut-être des corners qui sont pas sécurisés, je vais regarder. Ok, du coup lui je le garde. Ok, y'a une salle de toilettes, y'a une salle de toilettes, putain. Oh là. Elle a pas l'air très grande. Ok. J'en ai un en joue, je sais pas si c'est un civil. Je pense pas, non. Ok, je vais m'en occuper. Ok, vas-y. Ok. Ok. J'arrive pour le gère, tiens la porte. Vas-y. Tu peux regarder à la limite en dessous de la porte, vite fait. Genre vraiment rapide, quoi. On peut pas. Faut qu'on soit dynamique là. Ok, on a rien, c'est une salle de dressing. Ok, pas de piège. Désolé, je vais revérifier. J'ai l'habitude. Non, y'a pas de piège, négatif. Ok, j'ouvre. 3, 2, 1 et je push du coup. 3, 2, 1, je push. Ouais. Ok. Le dressing peut-être. Attention, les enfants peuvent se cacher dedans là. Ici c'est pas. Non. On peut pas ouvrir. Ok. Négatif, je pense pas. Ok, c'est bon. Allez, on repart. En avant. Ça va toi là-bas, poulet? Affi. Ok. Je viens de traiter un Pax là. Et j'ai un civil sur moi. Ok, est-ce que tu veux qu'on vienne vers toi? Affi. Okay. Du coup je tiens tout seul ici, poulet, tu peux y aller les deux. Bon, j'y vais. Vas-y. Element to talk. This is talk. Copy entry team. Notifying trailers. Lead to talk. Fuck. Officer down. On a parlé de quelqu'un, j'avais pas compris. Ouais, Delta, Charlie Delta, j'ai dit. Roger, je suis désolé. Ok, on va avancer, là, la pièce elle est pas clear ici. Okay. On va checker dans les shots là. Ok, vas-y. La corner à ta gauche. Ouais, je sais, c'est bon pour la gauche pour l'instant. Okay. C'est juste la pièce là qui est pas bonne, qui est pas encore check. Vas-y quand tu veux. C'est clair. Ouais. Ça balance du fuck you là. Je vais fermer la porte derrière nous. Ok. Ok. Et la salle s'arrête là? Ok, super. Ouais, c'est rase. Ok, c'est bon. Du coup, pour cette partie du couloir, elle est clear ou pas? Pas encore, pas notre. Non, il reste encore. Ouais. Ok, très bien, prenez votre temps. J'ai le temps. Ok. Ça, c'est Wedge, la porte que tu vises là, poulet. Ok, très bien.
C'est celle-là qui est pas encore bonne. Ok, on a un Pax armé à, aux 3 heures de la porte, là. Aux 3 heures à 5 mètres. Et on a un civil face midi. Donc, recule, je pique la porte, tu vas envoyer une fume. Mets-toi bien dans le coin. Non, dans le coin, parce que là, si tu te mets là, il va t'allumer. Je pique. Ok, tu envoies bougez pas, une fume. Les gars. Je décroche, je reviens avec vous et je m'assurerai du bouchon arrière d'ici, c'est pas grave. On recheckera tout après, non. J'arrive avec vous. Mais la double porte, vous l'avez ouverte du coup, celle-là? Oui, c'est bon, elle est race. On a Wedge au fond. D'accord, ok. Donc, au fond, il y avait un truc. Oui, il y a une porte au fond, ouais. C'est quoi ce bruit? Putain, c'est mes pieds sur le marbre, les boules. Ok, donc là, ça a été open. Attends. Et on a le time, ça sert à rien de die comme des merdes. Mm-hmm. Laisse-moi juste réfléchir. Du coup, ça veut dire que... Non, je vous laisse tous les deux, ok? Je vous laisse tous les deux. J'ai pas envie qu'on se fasse chier derrière. Vas-y, excuse-moi. Vous étiez prêts? Je prends. Je pique. I'm giving up, il a dit. Ok, à 3, j'open. 1, 2, 3, go. Vas-y, on rentre. Ok. Je vois qu'un seul suspect armé. Ma fille. Got them all zipped up. Ok, suspect armé appréhendé. Ok, nickel. Il y a une porte là. On va aller. Je vais checker en dessous. Occupe-toi de la civile pour l'instant. Ouais, très bien. Ok, ça donne sur une salle de bain. Je vois pas ce qui se passe à gauche. À droite c'est race, mais à gauche c'est. Je vois pas ce qui se passe. Du coup, tu vas me piquer la porte. Ouais, je te la pique. Et... 3, 2, 1. Et là, t'es prêt. Tu peux me l'open, vas-y, et je rentre. Ok, c'est race. Ok. Ok, c'est rare pour l'instant. Non. Ça peut s'ouvrir, je pense. Hein. Fais gaffe. On n'a pas d'interaction avec. J'espère que c'est pas ouvrable et que c'est pas bugué plutôt. Ok. C'est bon, j'en suis occupé. Nickel. Ok, et ici c'est Wedge. Donc on est bon. Là pour le bac. Ah non, ici là, il y a un. Ah non, c'est bon, ici, c'est bon. Ouais, okay. Ouvrez toutes les portes des pièces, okay. Hein, tout à l'heure, parce que là, tout à l'heure, je suis resté à un endroit pendant 3 minutes, j'avais pas compris que vous aviez fait de l'autre côté, quoi. Si tout est ouvert, ouais, c'est bon. Okay. C'est good pour vous, là? Vous venez vers moi, là? Ouais, on arrive. Ok, bah, repartez en arrière, du coup. Let's go. On rentre dans la pièce à gauche, là. Enfin, dans le piano, ok. Un qui garde la ligne, du coup, sorti de cette porte-là à gauche. Quoi, il gueule, là? Sorti de cette porte-là à gauche, le couloir en face de moi à l'heure actuelle, là. D'accord. J'ai à gauche. Ok, très bien. Et faut aller jouer la porte. Tu m'as dit qu'il y avait une porte à wedger, qui était wedger. Les deux portes sont wedge. Ah, ici, d'accord. Deux portes, enfin, deux portes. Ok, non, mais celle-là, c'est bon, en fait, on l'a de wedge, c'est bon. Non, Grumpy, garde la ligne, comme je l'ai dit. Ici, là, en fait. J'ai un écho derrière la porte que je tiens. Celle-là, c'est la ligne que je suis en train de tenir, parce que ça peut venir du couloir, c'est le seul endroit d'où ça peut venir. T'as un écho. Bah tu peux aller checker en dessous, mon poulet. Ouais. Ok, bon, j'ai vraiment beaucoup de vision. On a... Ah ok. On a un piège juste derrière cette porte. Ok. On a une porte juste devant nous qui sera fermée, à même pas un mètre. Et du coup c'est un long couloir qui part vers la gauche. Et ouais, mon champ de vision il s'arrête là. Ok, c'est le couloir principal, vert avec les créneaux là. Attends, je vais te dire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, il y aura une autre porte au fond. Est-ce que à droite tu vois les escaliers du coup? Que tu regardais tout à l'heure, non? Attends, je vais check une nouvelle fois. Je crois pas avoir vu les escaliers. Non, c'est un mur. Mais c'est pas. Donc c'est pas le couloir de tout à l'heure? Non, c'est pas du tout le même couloir. Les escaliers de tout à l'heure où on était, si c'était à droite les escaliers. Oui, bah oui, mais là t'es en train de regarder à perpendiculaire de là où on était, donc je me disais, ça se trouve, c'est le couloir qui passe juste devant nous, donc le couloir à gauche que t'étais en train de couvrir. Ok, non, c'est carrément notre couloir. Ok, donc avant d'arriver à l'autre couloir, parce qu'il y a bien un moment, on va le taper le couloir qu'il est en train de couvrir. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, là, ça, on ouvre sec.
Non, il y a un piège. Ok, ok, ouais, d'accord. Ok, je check la porte. Vas-y. Ok, forcément, elle est jam. Camlight. Ok. Il me semble que c'est bon. Ouais, ça m'a l'air bon. Ok, bah écoute, si ça fait boum, c'est que c'était pas bon. Je pique la porte. Reste ouais. À gauche, poulet. Reste à gauche, okay, de la porte. D'accord, ouais, d'accord, ferme d'accord. Ta ligne. Pas si proche, mais... Voilà, exactement. Impeccable, là tu peux intervenir. J'ouvre pour toi. Ok, j'entends quelqu'un, écho son de quelqu'un qui pleure. Et je vous la porte en grand. Ok. Y'a rien, on est d'accord. Je vais regarder par-dessus toi. Non, me colle pas trop parce que si je recule, du coup je vais être rentré dans le truc et tu pourras pas tirer. Laisse-moi toujours 1m, 1m50. À droite, du coup, c'est pas un couloir, frérot, je vois rien moi. J'ai dit à droite, je suis désolé. Ça voulait dire à gauche, je suis vraiment désolé. Ok, à gauche c'est un couloir du coup. Très bien. Désolé pour. Donc du coup, à droite, y'a rien du tout dans l'enfoncement. Tu peux t'y mettre, c'est ça? Ouais, en effet. Ok, super. Donc du coup, je peux me mettre dans le prolongement de la porte. Je vais regarder la porte et je vais me mettre dans le prolongement de la porte maintenant. Je vais me mettre debout et je vais me mettre dans le prolongement de la porte. Je vais faire un strafe à droite. Ok, tu peux te mettre derrière du coup. Derrière moi, si ça passe. Normalement, ça devrait être bon. Et checker en face. Ouais. Ok, super. Tout bon. Tu peux wedger la porte de droite ou pas? Ouais. Je m'en occupe. C'est wedgé, mais c'est buggé. C'est wedgé. Mais c'est wedgé. Ok, très bien. Ouais. Donc c'est pas le même couloir que notre pote. Je me remets dans le prolongement de la porte. Ouais, ça marche. Que vous voyez une lampe torche qui clignote. La négatif, en fait, t'es derrière nous, frérot. T'es derrière nous. Donc garde. J'ai un écho son à droite. Ouais, bon, ça c'est pas grave. On va avancer tout doucement, ok? Ça marche. Tu me dis ce qu'il y a à droite et à gauche, ouverture à droite. Là, il y a une porte à droite, il me semble. Il y a une porte à droite, ouais. C'est une fenêtre à gauche? Ouais, à gauche, c'est une fenêtre. Ok, le fond du couloir, c'est quoi? Le fond du couloir, c'est fermé à gauche et à droite, ça continue. Non, c'est complètement fermé. Non, c'est complètement fermé. Ok, donc je wedge la porte tout seul. On se casse et on va voir Grump. Yes. Ok, on confirme. Ouais, c'est... Attention aux lumières, quand même. Ok, nickel, okay. Hein. Ok, excuse-nous, Rumpy. Donc du coup, c'est un peu chelou. Mais ouais, il y a... Il y a du coup un... Ouais, c'est bizarre. Ok. J'arrive, Rumpy, et je passe... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, poulet? Rien. Non, pas toi. Strike. Non, désolé. Du coup, la porte en face est bon. À la limite, moi, je serais plutôt d'avis d'avoir le shotgun à 2 mètres derrière. Et ensuite, ouais. La VKS. Dans cet ordre. Après, il faut que tu sois rapide sur les smokes, mon poulet. Ma fille. Ok. Qui est-ce qui fait du bruit? C'est moi, je suis à ta droite. Allez, on fait la même chose que tout à l'heure, du coup. Je vais faire main courante à gauche et on avance. Monsieur. Et tu t'ouvres à droite, tu regardes à 2h, strike, hein. Yes. Je vais m'approcher quand même pour me protéger moi-même. Prendre une info rapide, hop là, j'ai rien vu. Et je vais mettre à gauche. Va falloir que tu prennes les escaliers dans 2 secondes, ok? Ouais. 3, 2, 1, top. Ok, vas-y, décroche, je prends la ligne. T'as un monstre, poulet, si c'est le cas. Ouais, c'est bon. Ok, je vais prendre mon arme de mon côté. Tu le gardes en joue, vous le faites venir. Ouais. Tac. On y va. Ok, il arrive. La position. Vas-y, tire en joue, je m'en occupe. Je l'ai en joue. J'ai serré ban de merde en joue, là. Non, vise le pied. Non, je déconne. J'ai son coiffe rapide, l'objectif. Passe derrière. Coiffé, ça veut dire passer derrière Strike. Pardon, désolé, c'est vrai. Tu t'en occupes pas et tu fais un bond derrière comme si c'était un... Comme si tu jouais à saut de mouton. Ok. Est-ce qu'on est bon, mon poulet? Ok, Grumpy, hyper simple. Désengage rapidement, cours dans le couloir, viens par la porte qu'on a wedgée de l'autre côté, d'accord? Là, t'es parfait.
Vas-y. Enfin, tu prends le bonhomme, tu mets ça le piano. Ouais, c'est bon, je l'ai mis. Impeccable, et là tu fais main courante à droite, tu récupères le wedge qui est en face. Je suis là, c'est moi qui suis de l'autre côté de la porte, mon poulet. Je viens de voir la wedge. Ok, ça marche. Et tiens la ligne à tes 11h, s'il te plaît. Quand tu ouvres la porte, ouvre la porte. Et tiens la ligne à tes 11h. Fais gaffe, j'ai pas la ligne à tes 11h. Là, je l'ai pas cette ligne. Super. Du coup, laisse-moi faire le tour. Ça peut venir sur toi, Strike, à tout moment. Hein. Prends pas de ligne, prends de la ligne passive. Oh, je suis. Hop! Ça tire derrière, poulet. Reçu. Escalier. Ok. Je smoke. Reçu. Ça tousse pas. Je décale, je vais rebalancer une smoke dedans. Reçu. Ça tousse. Ok, ça tousse. Je sais pas si c'est lui. Je me colle. Je sais pas si c'est lui. Check le couloir pour le moment. Ouais, fille. Police, hands up. Raise your hands above your head. LSPD, don't move. Hands up, don't move. Put your hands up. Police. Il était dans le bas de l'escalier. Qui a reçu? LSPD, hands up. I need you to move. Move towards me. Fils de pute. S'il te plaît, me fais pas tilter en revanche. On poulet, on peut pas faire grand chose d'autre que de splitter, ok? Ok. Je vois pas, parce que là c'est une ouverture vers un couloir. À la limite, je tiens le couloir pour le moment, d'accord? Et essaie d'aller avancer de ton côté et de le faire tout seul, d'accord? Monsieur. Move over here. J'ai un civil là sur moi, mais midi, je m'occupe du pack. Il y a sûrement quelqu'un avec lui. Move there. Ok, si t'entends un mec qui rampe, c'est un mec derrière que j'ai envoyé, ok? Si tu peux wedger okay. Les portes, t'es royal, hein. Je peux pas. Pourquoi? J'ai plus de wedge. Ok, bah j'arrive, hein, si tu veux, hein. Mais rentre pas dans les endroits que tu peux wedger, on les fera ensemble. Hein. Je peux la fermer celle-là? Ah, mais là, ça veut dire que t'as laissé l'escalier derrière. Oui, oui, j'y vais, mais j'y vais rapidement. La manière va falloir prendre des risques. Celle-là, elle peut être. Pourquoi elle peut pas être wedgée, cette pute là? Vas-y, laisse tomber, vas-y, gère tout seul, poulet. Gère tout seul, je regarde l'escalier d'ici, tu sais quoi? Ça donne quoi, mon poulet? Parle-moi. Oh, c'est la merde là où je suis. Hein. Ok. En fait, sur ma droite, je serais en haut d'un escalier en fait, si j'avance. Du coup, je fais venir le civil sur moi. Ok, bien pris, vas-y. Et je vais reculer, je vais fermer derrière lui. Parce que là, ça pue trop. Je suis avec toi, t'inquiète. Everything's gonna be okay. Move forward. Fais gaffe. Te décale pas trop dans l'axe de l'escalier, poulet, parce que je prends des lignes cassées, d'accord? Ok, ouais. Ok. Tu veux... Juste sécuriser l'otage au cas où s'il y a un pax qui déboule, en fait. Move over there. Je prends l'otage, je okay. Mets dans un piège juste derrière toi. Bien pris. Ok. Ok, c'est bon pour lui. Move to the sound of my voice. Il veut pas okay. Venir le putain de... Ok, qu'est-ce qui est ouvert là, toi? C'est moi. Je peux pas wedger parce que je dois plus avoir de wedge, mon frérot. Ok.
Tu veux checker les portes, tu veux checker les portes ou quoi? Tu veux... Essayons de faire de la petite porte. Check la porte qui est tout au bout là. Tu l'as le, okay. Le spy? Ouais, 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 j'ai, vas-y. Vas-y. Ok, face à moi c'est un couloir avec un renfort, un couloir, un truc qui part sur la gauche et j'ai une porte open, à 1h. Ok, on joue, enfin, quoi, on joue quelle porte, c'est ça la question. On, joue... on peut jouer celle-là. Ok, vas-y. En fait, ça donnera après dans la pièce où j'étais, tu mais on aura si un tu, meilleur si, visuel. Si tu veux du shield, tu me le dis. Hein. Non, c'est bon, ça m'a l'air rase pour l'instant, je pique. Ok. Je vais sur ton épaule droite. Ouais, voilà, nickel. Je m'accroupis et comme ça t'as la ligne au fond derrière moi. Okay, on c'est quoi, je passe le shield. Hein. Reçu. Ouverture à gauche. C'est ouvert à gauche, hein. Ouais, Afi, c'est ce que. Ouais. Tu me laisses regarder à l'intérieur. Ouais, Afi, je prends tes midis. Ouais, prends les midis. Si ça fait de la merde, je désengage. Hein. Normalement, c'est rase pour toi, hein, mais c'est juste qu'en fait, ça donne sur, en bas, ça donne sur un truc qui descend en bas, en fait. En fait, là, t'arrives sur un balcon, c'est ça? Si je me trompe pas. Difficile à dire, j'ai pas l'impression, frérot. Hein. Ok, bah alors, c'est une autre pièce encore. Non. Parce que là-bas, je vois une wedge. Attends. Non! Attends. À ma droite? Ouais, attention! Hands up, don't move! Ça peut me tirer dessus ou c'est peut-être au bout du couloir, hein, fais gaffe, hein, c'est peut-être au bout du couloir 90 gauche. Merde. Soit c'est devant moi. Soit c'est couloir 90 gauche. Nique sa mère, je prends mon arme. Reçu. Qui est-ce qui fait ça? Face okay. Midi, je balance une smoke en face de toi, poulet. Smoke rebond, elle va pas être parfaite. Mais si ça te rush, au moins. Slowly get down on the ground. LSPD. Je vais rentrer dans le. Je vais éclairer la pièce là. Reçu. Hands in the air. I want you to get down slowly. Balcon, effectivement. Ça peut être en dessous le son. La fille. C'est... Okay. Quoi? What? C'est j'ai l'impression que c'est en face de moi. C'est en face de moi, j'ai ça l'impression. Ça peut être en dessous. Ou en dessous, ouais. Ok, là, c'est toi? Ouais. Ah, putain, ouais. Okay. C'est pas un couloir, putain. C'est... Attention au balcon. C'est moi, mon poulet, effectivement. Ok. Donc, c'est forcément en dessous. Ça bouge en dessous. Ok, reçu. Attention en dessous. Décroche, je prends une info en dessous, ok? Je check. Je mets ma tête. C'est moi les portes, hein. Je les mets de l'autre sens au cas où si ça arrive derrière nous. Du coup, pour l'instant, je prends l'arrière. Au cas où, parce que s'il y a un mec qui est remonté de derrière nous... Ouais, bien vu. Je vais prendre une info de l'autre côté. Il faudrait aller récupérer la wedge... qui est sur la porte simple. Ok, j'arrive. Ok, j'ai visiblement... J'ai un civil en bas. Et qui est Delta Charlie Delta, ou en tout cas qui est conscient, mais pas terrible, quoi. Ok, je déwedge. Ouais, il crache du sang. Ok, je check en dessous la porte. Et ça donne sur un couloir. Mais non. Elle est wedgée cette porte, mon poulet. Ouais. Ok, bah donc on y est passé. Ok, je déwedge là. Ok, c'est en dessous qu'il est l'autre là. Je vais essayer de le faire tousser. Ok, je le vois. Ok. Non, négatif, c'est les pieds d'un... Je vais essayer de faire une smoke rebond. Ah, ça tousse bien. Ok, il est sur moi. Bon, il est en bas, il est arrêté, mais bon, t'imagines bien que c'est pas terrible, quoi. Un fille. Tu le vois, Hitman, là? Négatif. Moi, je suis en train de prendre le bac, donc, pour l'instant.
Put your hands up now. Ok, j'entends civil aussi. Reçu. Tu veux que j'envoie une smoke par-dessus toi ? Non, négatif. Faut qu'on joue l'escalier de l'autre côté, de toute façon, pour descendre sur eux. Hein. Ok, reçu. Non ? Donc, est-ce qu'on s'est assuré qu'à l'étage, là, tout était clear ? Pour l'instant, ça m'a l'air clair, ouais. Juste au fond à droite, enfin au fond là où il y avait l'escalier, je sais pas s'il y avait une porte. Essaye de répondre à ta question tout seul, Poulet. Je le garde en joue, Jean-Maurice, là. Voilà, ça c'est Raz. C'est Raz sûrement, on peut aller aux escaliers. Cover the area. Enter the room and clear. Ah, merde. On peut aller aux escaliers, t'as dit ? Affi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais ? Je le lâche lui ? Affi, de toute façon, il peut pas monter sur toi. Mais non, donc... négatif, mais bon, c'était un free. C'est un free bonhomme, quoi. Donc, okay. Je descends de mon côté dans l'escalier et tu essaye, gardes. Essaye en étant vraiment très doucement, quoi. Et on essaie. Mais vraiment, mets une demi-heure pour y aller, je m'en bats les couilles, ok ? Mais meurs pas, ah, please. Ouais. Doucement, vraiment doucement, poulet. T'as tout ton time. Je garde mes lumières. Et je commence à prendre. Un peu plus de lignes en dessous. Si tu vois des flashs de lumière, tu me le dis tout de suite, ok ? Ma fille, pour l'instant, non. Ok, est-ce que tu vois ma lampe oui, torche ? Oui, bien vu, oui. Ok, nickel, j'ai une porte qui donne sur toi, ok. Mais là, ma pièce, elle est pas check à 100%, du coup, je check d'abord ma pièce et j'arrive après dans là où j'allume. Ok, essaie de regarder 3 secondes après une fois, regarde où je suis pour que tu comprennes où est-ce qu'elle est la lampe, là. D'accord ? Ça veut dire qu'en face de toi, il y a tout un truc que je vois pas, il y aura Jean Mouloud là, sur le côté à 11h, là. À tes 11h, quand tu passeras. Reçu. Ok, faut que j'essaie de... si je peux... Ok. Je peux... Ouais, je vois une lumière, ouais. T'es clair ouais, vers bon. Moi, là. Hein. Mais doucement, pas d'effet tunnel. Ouais. Si tu veux, je peux smoker la pièce au pire dans laquelle t'es. Hein. Non, c'est bon pour moi. Pour l'instant, je vais juste essayer de voir si je peux wedge la porte. La porte que t'éclairais pour me rejoindre ? Non, une autre. Okay. En fait, j'ai 3 portes sur moi. J'ai une double porte et 2 portes simples. Là, il me regarde l'autre là, j'aime pas ça. Là. Ok, j'arrive près de toi. Ok. J'éclaire pour toi la porte. Quand tu rentres, contact à droite, y'a rien. Droite, y'a voilà, rien. Ok ? Moi aussi. Le mec, tu le vois du coup ? Tu vas avoir un... J'ai visuel dessus. Ok, très bien. Là, on joue pour l'instant. Non, ok, très bien. On aurait fait parce l'inverse que j'ai une autrement. Porte à ma... Non, mais j'ai mis une porte à ma droite, bien en pris, fait, faut bien que pris, je la wedge. Vas-y, c'est toi le patron. Ah, je peux pas la wedge, putain. Je regarde juste vite fait ce qu'il y a en dessous. Autrement, pour on alterne. Si tu gardes... Ok, non, c'est bon, c'est rare, ça donne sur le balcon. Bien pris. Okay. Autrement, tu gardes Jean-Maurice, là, et j'arrive, moi. Ok, j'arrive, je suis sur Jean-Maurice. Ok, bien pris. Je décroche, je l'ai plus. Yo, tout le monde, désolé, je regarde pas trop le chat. Putain, la vache. Waouh. Wow. Ouais. T'es passé par où, poulet ? Bah là. Ok, très bien. Et à gauche ? C'est Wedge.
Et à gauche, c'est Wedge. C'est juste à ma droite, c'est pas Wedge, mais il y a une. Ça donne sur un balcon et c'est Ras. J'ai regardé en dessous de la porte. Bien pris. Ok, c'est bon, je vais le prendre et tu peux faire main courante à droite. Ok, j'ouvre okay. la porte. Tu vois le. Quand tu vas tomber face à lui, quand tu vas faire ta main courante à droite, face à lui, c'est là que j'ai entendu une nana. Donc sous le bar, de l'autre côté à gauche, dans la direction de mon bras là. Reçu. D'accord. Et donc quand tu vas ouvrir face à lui, fais gaffe quand même. Reçu. Je vais prendre l'info là-bas. Exactement là où je suis en train d'éclairer là. Reçu. Je vois. Ok, de toute façon je traverse maintenant. Vas-y. Ok, j'ai une porte. À tes midi, du coup. Six. Ok, j'ai la femme. J'allais dire la femelle. J'ai la femme en visu. Elle est dehors en fait. Elle est face à mes midi là. Je sais pas si tu vois ma cam. Elle est à l'extérieur. Bien pris. T'as toujours l'autre, hein, fais gaffe. Hein. J'ai Maurice, ouais. Essaye de le ramener vers toi et de le jouer déjà lui. Faisons une chose à la fois. Ok, il avance sur moi. Bien pris. Fais gaffe au couteau, hein. Affi. Le problème en fait, c'est dehors en fait. Allez, viens, on parle là. I need to move. Vas-y, gère-le. Ok. Enlève ta lampe. Ok. Piste de pute. Et fais gaffe. Ah, dehors. Dehors, je vois rien, mon poulet. C'est à toi de le gérer dehors. Je vais avancer. Maintenant, à gauche. J'ai un civil au sol, du coup. J'ai une porte ici. J'ai toujours pas de wedge. Je vais. Ok, j'ouvre mon angle sur le bien l'extérieur. Pris. Vas-y. Ok, pour l'instant, ça a l'air ras l'extérieur. À mes midi, ça a l'air ras. J'ai une porte en fait sur ta là où j'éclaire avec ma lampe torche. T'as une porte. Ouais, bah oui, normal. Mais je sais pas si c'est pas des toilettes, ça, à gauche et droite derrière un. Ouais, je sais pas, non. Je sais pas du tout. Non, ça doit être une entrée. Une double entrée un peu à la Oregon, quoi. Ok, ouais. Tu peux décrocher, du coup, revenir vers moi et voir si tu peux venir la taper. Enfin, voir ce qu'il y a derrière. Fais gaffe quand même en passant. Ouais. Vas-y. Ok, je check en dessous. Ouais. Fais gaffe au piège, il y en avait, hein. Ok. Sur la porte, il n'y a pas de piège. Il y a un couloir face à nous, en fait, qui mène sur la gauche. Et la porte, du coup, la deuxième porte que je voyais, elle est en fait à 1h. Donc la deuxième porte, pour l'instant, oui, on n'a pas besoin de la prendre en compte. Du coup, en fait, on a un couloir au face midi qui part sur la gauche. Du coup, on peut rentrer à la porte. T'as l'air rase. Je pique. Je check au cas où, il n'y a pas de piège, je savais déjà, mais... Ok, j'open. Ok, je te laisse passer devant. Shield ou pas? Non, là, vu qu'on est que deux, vaut mieux que tu... Ok, ouais, vas-y. J'y vais doucement, ok? Reçu. Je suis derrière toi, de toute façon. Je regarde quoi? Face 11h, le couloir 90, là-bas, là? Affi, tu vas jusqu'au coin du mur. Ouais, bien pris. Et après, tu fais une ouverture d'angle. C'est fait. Toilette en face. Vas-y. Viens prendre les infos que tu veux. Ok, je suis sur ton épaule maintenant. J'avance un peu pour donner la latitude. Reçu. Il y a une couloir qui donne sur la droite, hein, si je me trompe pas. Ah, j'ai envoyé une smoke par-dessus toi sur le couloir qui donne à droite. Go. Ok, pour l'instant, il y a l'air d'avoir personne. J'envoie une smoke face midi dans les toilettes. Et je commence à avancer en shift tranquille, ok? Affi. Ok, je me mets sur ton épaule gauche. Je vais me coller, je vais faire main courante à droite. Reçu. Je vais faire une ouverture d'angle sur la droite. J'ai une porte en face de moi, la face midi. Donc elle est fermée, ouverte? Fermée, à 11h. Okay. Énorme couloir, beaucoup de sang. Ok, j'ai entendu écho son hein, sur la droite. Hein. J'ai plus de smoke. Recule, mets-toi derrière le chariot. Je prends la ligne. La smoke, je la mets contact au cas où il push, fils de pute. Oh, il arrive, il est contact. Ok, je prends la ligne maintenant. Ok, reçu. Il y a un mec qui a ouvert à gauche, la porte de gauche traverse, a été ouverte. Traverse. Je regarde voilà, les toilettes sont clear. Ok, reçu. Faut faire gaffe parce que derrière nous, c'est pas où il est. Là, contact, il arrive, contact, il est là. Reçu. C'est bon, il est géré lui. Appelle-le, t'inquiète.
Move over here. There. Move forward. Juste attendre qu'il arrive. Je suis foqué là. Il y a la même porte de l'autre côté en croisée, mon poulet. Reçu. Non. Move to the sound of my voice. Ok, au moment où... Attention, attention. Maintenant, tiens-le en joue. Go, il y avait une porte derrière, frérot. Ouais, ouais, je sais, je te l'ai dit. Ah, ok. Ah, mais elle est wedgée. Négatif. Si. Ah, je vois pas le wedge. Ok, très bien. Ok, attends, bon, bah attends. Je le fous dans les chiottes, là où il appartient. Move towards me. Allez. Move over here. Move forward. Bouge pas. Ok, attends, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ok, fais gaffe à ta gauche, hein, poulet. Je sais, je sais. C'est ouvert. Il est en train d'avancer sur toi. Là. Laisse-le. Il va se décaler, ce fils d'up. Je le gère. Et je le fais venir sur moi, là, parce qu'il me saoule. Ok. Move and stay there. Ok, je le prends. Deux secondes. Vas-y. Ok, j'arrive sur toi. Tu peux récupérer le wedge de la double porte derrière moi, non? Bon, c'est pas ce que c'est. Ouais, non, laisse tomber, parce que je sais pas ce que c'est. C'est la grande pièce. Okay. À notre gauche. Ouais, mais dans ce cas-là, autant à la limite... finir la grande pièce qui était derrière nous, non? Je... Fais, si tu veux. Je sais pas. Autrement, on continue, là. On continue, on fait gaffe aux écossons, quoi. Reçu. Ok. Je passe devant. Okay. Reçu. Je shift. Je suis derrière toi. Il n'y a pas de piège à ma porte. Négatif. Négatif. Je vois rien à gauche, mon poulet. Je vais ouvrir. J'avance. À gauche, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a rien. J'essaie de regarder sur ta caméra. Ouais, d'accord, ok, tu prends au fond. Ouais. Ok, je vais sortir mon arme, du coup. Ok, je recule, j'avance sur toi. Je rentre avec toi. Ok, je vais checker derrière la porte. Et regarde mes face trésor là, dans la direction du sang là. Merci. Derrière la porte c'est clear, à droite c'est clear. Trésor, okay, je sais pas. J'ouvre. Là, ici il y a une porte. J'ouvre. Ouais, j'ouvre. Ça donne sur une salle de bain. Pour l'instant c'est ras. J'éteins ma lampe pour que tu puisses passer. Ok. Ok, c'est ras. Ras. Ok, je ressors. Oh la vache, je sais pas ce qu'ils ont fait ici mais c'était pas terrible. Hein. Ok, je reprends le tunnel, enfin le couloir. Je vais checker s'il y a des trucs à trouver. Négatif. Ok, reçu. Je te laisserai, une fois que c'est bon, je te laisserai prendre ma ligne, je regarderai sous la porte qui est à bien ma pris, droite. Bien pris, je prends la ligne couloir dans... Ok, je recule. Go. Non. Ok, porte non piégée. Ok, on a. Ça donne sur un. Ok, sur un bar. Non, ok, là face à mes midi, on arrive derrière un sort de bar, j'ai l'impression. Et il y a un couloir qui donne sur la gauche en fait. Bon. C'est à l'air ras, il n'y a pas de piège à la porte. Donc on peut limite ouais, investir à l'intérieur. Vas-y. Ok, je pique. Vas-y. La porte. Ça a l'air ras. À 3, je open la porte. Vas-y. Je garde la ligne au cas où. 1, 2, 3, j'open. Ok. À 3, je rentre. 1, 2, 3, je rentre. Ok. C'est ras. La porte, c'est ras. Au fond là-bas, fais gaffe. Ça ouvre. Ouais. Ok, ça donne sur une scène là. J'ai l'impression. Ok, je prends le shield et je fais une ouverture d'angle en shift. Reçu. Tu me suis ? Ok, reçu, je décroche, j'arrive, doucement. Je vois nada, mon gars. Je suis sur ton épaule. Bouge, avance pas trop vite, avance pas trop vite. Wow, c'est un film à gauche. Un cinéma. Ok, porte ouverte à tes 11h. Ok, je vais regarder à mes 9h maintenant. Ok, je décale avec toi. Je vois rien. Ok, y'a un Pax. Ok, effectivement. Il est rendu. Ok, on va passer sur la gauche. Gauche ?
Ouais, pas sur ta gauche, poulet. Pas sur la gauche, ça veut dire quoi, mon poulet? Recule. Ok, ok. Voilà, main courante à gauche. Tu veux qu'on continue dans le... Non, que tu passes main courante à gauche. Oui, j'ai le pack sans visuel. Et toi, en gros, tu vas être dos au pack. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un truc là, mon poulet. Je l'ai pas vu, le couloir, je vois rien du tout, en fait. Ok, je prends mon arme, au fond à gauche, voilà. Y'a rien, d'accord. Je dégage, en face là-bas y'a rien. Tu peux aller du coup, main courante à droite, et où la ligne sur la porte, y'en a qu'une seule. Allez, fais main courante à droite sur l'ensemble du truc. Ok, Ras, je te laisse t'occuper du pack, je tiens la porte. Fait. Ça part. Okay. En avant. Okay, je vais faire le couloir donne forcément. Non, le couloir donne ça donne forcément dans le couloir, frérot. C'est pas possible. Hein. Donc ouvre la porte, laisse-la ouverte. Ok, elle nous servira pendant qu'on est en train de progresser de l'autre côté dans le, bah justement dans le couloir. Reçu. Moi j'aime bien avoir des portes qui bloquent. Ok, je suis derrière toi. Hein. Ok, du coup je vais faire main courante à droite. En shift. Ok, je suis derrière toi. Ton épaule gauche. Comme ça on a bien la porte, tu vois. Merci. Porte à gauche, fermée il me semble. Tu peux pas la wedger, on est d'accord? Vas-y, avance. Négatif. Ok. Ok, je regarde en dessous vite fait. Très bien. Ok, on est dans une bibliothèque. Face midi. En fait le problème c'est que face midi, il y a l'air d'avoir une seconde pièce. Ou alors... Et en fait, je vois pas, en fait, vu qu'il y a deux grosses armoires devant moi. Mais les armoires, elles sont pas pleines. En gros, il y a un espace, en fait, entre les armoires. Les étagères, pardon. Et en gros, il peut y avoir un pack qui est derrière les étagères, en fait, et qui a un visuel sur nous quand on rentre. Tu veux faire quoi? On la laisse ou... On peut pas wedger? Tu peux prendre face midi, non, que j'essaie une wedge, mais bon, j'y crois vas-y, pas. Vas-y. Je me mets derrière la porte au cas où pour me protéger quand même. En négatif, j'ai pas de wedge. Ok, reçu. Et sa mère. On peut récupérer la double qui est derrière, non? La fille, si tu veux. Ok, j'y vais. Ok, c'est wedgé, je reprends la marche, en avant, main courante à gauche, je passe devant. Bien reçu, je décale. Ok. Je passe derrière toi. Épaule droite. À droite c'est ouvert. Ouverture, c'est porte ouverte à droite qui donne sur... j'ai aucune idée. Ok. Mets-toi main courante à droite. Je vais passer en crabe devant mon poulet, ok? Ok, reçu. Je pense c'est la gauche. Ça donne sur une cuisine. Ah mais 11h ça ouvre majoritairement sur la... vers les... Ça ouvre visiblement à 9h de la porte, quoi. Face midi, à 2 mètres de la porte, c'est fini. Et derrière la porte, c'est fini. Donc c'est clairement, ça ouvre à gauche. Ok, tu vas prendre le coin derrière moi? Ok, t'es un monstre, poulet. Ouais, c'est fait. Ok. On rentre à l'intérieur de celle-là? Enfin, il va bien falloir qu'on y aille, de toute façon. Oui, il n'y a pas le choix. Ok, je vais faire ma courante à gauche, du coup. Vas-y, ça marche. Et je te laisse avancer de 5 mètres. Je m'accroupis. Ok, je décroche, j'arrive sur toi. Tu peux te mettre au-dessus de moi et regarder. Affi, je suis là, vas-y. Tu peux décaler en crabe sur ta droite. Mm-hmm. Voilà, hop, je décale en même temps. Ok, porte fermée sur la gauche. Ouais, je vais ouvrir à droite du coup, je vais enrouler à droite. Porte civile en face de moi, un mètre devant moi. Ok, reçu. Ok, je prends mon arme. Ok, porte à droite, fermée. Ok, vas-y. Ok, ça marche. Ok, je joue la civile, ouais, la civile et la porte, ouais. Vas-y. Ok, je m'occupe de la porte derrière. À gauche, pardon. On peut pas, de toute façon, il va falloir les jouer, hein, ces putains de portes. Quoi. La fille. Ok. Je vais fermer la porte derrière nous. Ok. Je vais checker la porte à ta droite, là où il y avait la civile. Ouais, vas-y. Je check l'autre porte. Ok, ça donne sur un couloir, encore une fois. Porte non piégée. On a une porte. Ok, il y a une porte qui a été wedge sur notre gauche. J'ai écho son derrière la porte que tu checkais en premier, non? Ok, reçu.
Et ça, en fait, on a un long couloir qui continue face à nous, mais je vois pas le couloir parce qu'il y a un mur plein devant moi, face à moi. Donc, et c'est Wedge à notre gauche. Et l'autre, je vais check maintenant. Ok, on a un civil face à nous, face à nos midis, qui pourrait être, enfin, qui semblerait être le cuisinier, à 5 mètres devant la porte. Et on, en fait, sur notre droite, on a un bar, donc il peut y avoir un Pax caché derrière le bar. Et on a un direct à gauche, en fait, un couloir qui part sur la gauche. Mais j'ai pas de visuel sur ce qui se passe à gauche. Parce qu'en fait, face à nous, à 11h, il y a un sort de... Putain, ça fait comme un bar où, en fait, derrière, il doit y avoir des tables, à mon avis, ou des trucs comme ça. Tu veux faire quoi? On peut taper derrière nous. Celle-là. Ensemble, parce que... Ouais, Afi. Okay, pour s'assurer, go. Comme ça au moins on est sûr. Ok, je te pique la porte. Prépare-toi. Ok. Face à tes midis, normalement t'auras un mur, hein, ce sera bon. À 3, j'open. 1, 2, 3, j'open. Ok, je prends le couloir. Faites-le. À ta droite, c'est Ras, normalement. Faut juste en fait que quand tu fasses ton ouverture d'angle, tu check à gauche. Cochons. Ouais, Afi. Droite, y'a rien. Et je vais aller mettre au prolongement de la porte avec le shield. C'est ça, voilà, nickel. Ok, il y a une ouverture, il y a une porte à gauche qui est wedgée. Elle est wedge. Ouais, c'est ça. Une porte XT, c'est la porte XT. Ok, reçu. Et encore du coup couloir à gauche. Donc là c'est un peu compliqué. Okay, je vais prendre mon arme, je vais passer de l'autre côté pour le prendre en croisée celui-là, en faisant main courante reçu. À droite là. Reçu, reçu. Et toi tu vas faire de même, ok? Ma fille. Fais gaffe à la lumière, mon poulet. Ok, c'est Ras pour moi. Ouais, Ras pour moi aussi, mais bon, je vois pas okay, tout. Ok, j'ai une porte fermée face à moi. Ok, on décroise, on décroise tous les deux dans 3, 2, 1. Le 1, go. Top. Ok. J'ai une porte fermée face à moi, pareil. Putain. Oh, y'a plein de portes. Oh la vache. Bon, cette porte, je sais pas ce que ça donne, mais bon, elle est lock. J'ai l'impression que c'est la porte qui donne sur l'arrière, la grosse salle là où il y avait le Pax, non? Ouais, ce serait. D'un point de vue. Sens de l'orientation, oui, je pense, ouais. Ça peut être que par là, on aurait fait le tour, bam bam bam, oui. On peut essayer de la taper, hein, donc dans ce cas-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Je tiens moi le bac au cas où. Je te laisse taper tout seul pour voir. Oh putain, merde, elle était pas du tout. Ils me disent qu'elle est lock, mais elle était pas lock en fait, cette pute. Ah non, c'est un autre couloir. J'ai même pas checké s'il y avait un piège. On aurait su, ça aurait fait boum. C'est celle-là la pièce, mon gars, qui doit donner sur la salle principale, là. La fille. Ah vas-y, je continue tout seul, mon poulet, hein. Reçu. Ah, ah non, t'as Dieu. Ah, le fils de pute. Ah, le fils de pute, enculé de ta race. Ah, mais ah. Et ça, c'est l'exit, du coup. Oh. I'm just a kid, I work here. Hey, you're gonna die. The villain is ready. He's... I got him, pop. The villain is secure. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Ça, c'est le balcon, poulet. Ma fille. Je vais le jouer, ok? Moi aussi. Et du coup, normalement, t'as un pack civil qui est rendu hein, sur le balcon. Hein, qui sera à tes midi. À tes 1h même. Bien pris.
Stay quiet and stay low. Thank you so much. Element to talk. Tiens, profite du bouton. Go. Compliant. Talk reporting. Roger. Trailers inbound. Je reviens, mon poulet, ça va? La fille a fini, ouais, non, pour l'instant c'est bon pour moi. C'est race. Je vais ouvrir la porte là. Ça donne sur la grande pièce. Je sais pas. Si si. Ok, bien vu. Tu me laisses la checker celle-là? Oh, fi. Je te laisse faire. Ok, la pièce, la porte qui est sur ta droite, t'as pas besoin de l'ouvrir. Enfin, on a déjà checké. Je reviens. Je vais appeler le. Est-ce qu'il peut être restrained? Négatif. Ok, je reviens vers toi, mon poulet. La porte là, c'est quoi ça? C'est là, elle a été. On a fait le couloir. En fait, ça va te donner sur un couloir, oui, techniquement, si je me rappelle bien. C'est le couloir où il y a les deux portes de l'autre côté qui donnent sur la double porte qui donne sur le couloir qu'on a fait normalement. C'est ça. Toi, t'as failli remourir, mon gars. Ok, bien pris. On est bon. Du coup, on commence à y voir un peu plus clair. Oh, le fils de pute d'enculé de sa race, quoi. Putain. Ici, même chose. Là, ça donnerait sur quoi, du coup? La grande pièce avant où tu m'as dit quand t'es arrivé, t'as fait « Oh, mon Dieu, la grande pièce. » Mais elle aurait un arrière parce que j'ai pas vu de porte, moi. Oui, il y a un arrière, il y a un arrière. Mais t'y allais derrière? Négatif, j'ai wedgé. Négatif, c'était pas wedge. Ah bah si, j'ai récupéré la wedge de tout à l'heure. Ok. Ah non, cette pièce, attends. Si, c'est si, ça. T'as raison. C'est ça. Ouais. Et normalement, t'as une porte à ta droite. Quand tu remontes les escaliers. Ici, juste là, en bas des. Là, y'a une porte là. Oui, celle-là, non. Ça donne sur un balcon, c'est race la porte que t'allais éclairer. Là, juste à ta droite, poulet. Quand tu ressors, en gros, à tes 3h. Ah, mais 3h en rentrant. Ici, c'est l'escalier, Afi, ça. Afi. Mais celle-là, là, ici. Celle-là, ça donne sur un balcon. Ça donne sur un balcon ou ça donne sur le un balcon? Non, un balcon. Ok, laisse-moi aller la faire. Tu l'as wedgé? Négatif, parce que j'ai checké en dessous, c'est race. Du coup, si c'est race, pourquoi tu ouvres pas? Mais parce qu'en fait, je devais prendre en joue le Jean-Michel, là. Ok, bien pris, bien vu. Bonne réponse. J'arrive, mon poulet, hein. Dropping the light. Camera out. No. Ok, bien vu. Et donc du coup, attends. Truc à 3h là-bas. C'est un autre balcon. L'autre là-bas, là, ça doit être. C'est un autre balcon, mon poulet. Moi aussi. S'il est wedgé, moi j'essaie juste de récupérer des wedges pour simplifier la chose. Parce que là, t'as wedgé là. Ouais, la fille. T'as checké aussi? Négatif.
Ok, clair. Let's go. Okay, je recolle sur toi du coup. Reçu. Vas-y, je vais me taper un DMCA sur the Home of the Brave. Le National Anthem. Ah bah non, je suis con, ça peut pas être. Fais gaffe quand tu vas dans le couloir, hein, poulet, il y avait les deux portes au fond qui avaient pas été wedge. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et toi, t'es où du coup? Je suis toujours au même endroit, sorti de la cuisine quand on a changé de côté. Ok. Et celle-là, du coup, c'est bien une chambre, hein, ça doit être une chambre. Hein. Avec le truc, tu m'avais dit, machin de merde, ok, ok. La bibliothèque. La bibliothèque, le mec qui peut se cacher derrière, etc, etc. Cuisine, du coup, t'es dans la cuisine, là? Non, je suis après la cuisine, tu sais, dans le couloir que tu m'as laissé, en fait. Ok, visiblement, à mon avis... La porte de la kitchen, je l'avais fermée derrière, mais au cas où, pour entendre le mec s'il arrive. Là, à mon avis, la pièce qui est là donne sur la pièce du couloir, quoi. Ok, je suis derrière toi, mon poulet. Ok, ça va? Ah tiens, on a tous eu droit à son screamer aujourd'hui. T'inquiète. Garde ta ligne, fais main courante à droite, s'il te plaît, laisse-moi récupérer la wedge et checker à l'extérieur, vite fait. Reçu. Ok, ça c'est le... Ok, bah c'est du coup ça c'est bien l'excité pour le coup. Laisse-moi du coup repartir derrière et... Enfin, wedger la porte qui est juste là, ok? Reçu. Puisque du coup, il y a toujours la possibilité qu'il y ait les deux portes de derrière qui nous fassent chier. Je reprends mon shield, je fais main courante à gauche et tu peux te mettre derrière. Ok, reçu. Je suis derrière toi. Ça ouvre, je regarde avec ta cam. Sur ta droite, gauche, poulet. Gauche sur? Ouais, gauche. Rien à droite, hein. Effectivement, rien à droite. J'enroule. Ok, j'enroule derrière toi. Y'a rien. Y'a rien, à part la porte. À part la porte, ouais. Aussi. Je vais checker sous la porte. Y'a un piège. Y'a. Putain. Taking care of it. C'est wedgé. C'est wedgé, poulet. On se barre. Le piège est bon. Ok, je regarde juste en dessous pour voir ce que c'est. Ok. Oh là, on est sur un... On arrive, à notre gauche, on a un escalier. Et là, en fait, c'est... on passe pas par là. Mais on passe pas un par escalier là. De fer affirmatif. Et au bout du couloir, une porte entre-ouverte. Je vois pas au bout du couloir. Et juste au-dessus de nous, en fait, il peut y avoir des packs au-dessus de l'escalier, en fait. En fait, l'escalier, il est à nos 10 heures. On voit le bas de l'escalier, du coup, qui monte. Et en fait, en face de nous, on a le dessus, en fait. Et il peut y avoir des packs au-dessus de nous, en fait, qui est la ligne sur la porte. Parce que je pense qu'au bout du couloir, il doit y avoir une porte entre-ouverte d'où me parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, me paraît irréelle. Une musique irréelle. What? Sous la porte. C'est le côté obscur de la force. Putain, mais mec, quand même, IAM, l'école du micro d'argent, quoi, la ref, quoi, merde. Pam pam. Okay. What? T'as pas la ref? Non. Le côté obscur, le truc de Star Wars qui a été fait par IAM. Vas-y, nique ta race, franchement. Vas-y, je te bute. Ok, je fais ma courante à droite. C'est mieux. Aïe aïe aïe. Vous l'aviez le chat, j'espère. C'est quoi en face là déjà? Putain, je suis un peu du père là, hein, franchement. En face, c'est là où tu viens d'arriver. T'as fait tout le tour, t'as fait. Ok. Du coup, normalement, en face, on a pas besoin d'aller checker. Négatif, hein, bon. Je suis pas allé en face, frérot. Si, si. Ah oui, d'accord, ok, j'ai fait tout le tour à partir de là et après. Ok, donc ça veut dire que normalement. Les deux portes qui nous restent à gauche à checker là, au fond, voilà. Okay, attends, unwedge comme ça, tu t'en récupères une, si tu peux. Unwedge la porte. Ton collègue a pas 40 ans comme toi.
Je sais pas, mais les gars, Sowix, merci pour les 6 mois de frais scolarité. Ça fait une heure que ça sub pas. 40 ans ou pas sur le chat. C'est bientôt Noël. Et vous êtes, vous avez le meilleur contenu de l'histoire de cette putain de plateforme, bande de fils de pute. Sur lequel il reste plus que Inoxtag. Des gamins de 13 ans qui font du fucking Fortnite que vous détestez. Et des meufs qui montrent leur gros sein. Donc filez-moi des subs si vous voulez pas que Twitch se transforme en un truc rempli de mioches et de meufs à poil. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, c'est faire un acte révolutionnaire. Merci Raven pour les 6 mois, t'es un monstre. Luton. Excuse-moi poulet, du coup Grumpy tu veux faire quoi? Checker la porte là, je check juste en dessous. Tu veux la checker? Ok très bien, je check en face. Ok, du coup là ça redonne sur le mec que je disais tout à l'heure, là, le sort de cuisinier face midi à 5 mètres de la porte. Ok. Un couloir qui part sur la gauche en fait avec une... Est-ce que tu retrouves la porte? Est-ce que tu retrouves à gauche la porte qui est là? Parce que ça a l'air d'être le même bâtiment, non? Ça a l'air d'être la même pièce ici, non? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Okay, bah... À gauche c'est la porte, ça donne sur toi. Ok, bah viens la checker cette porte mon poulet. Hein. Bah, je vais rien voir là, je vais rien voir au final, je vais juste voir en fait le bar, mais je verrai quand même pas s'il y a toujours s'il y a un mec derrière. Tu penses? Je vais checker. Ok, ouais, non, au final j'ai le même angle que je voyais en fait. Ok, on tape là, où? On tape là ou on tape par la cuisine? Par la cuisine, non? On tape là, la porte actuelle là. Faut que tu tapes toi ici en tout cas. On fait quoi? Y a pas de piège, il te reste des fumes toi? Il me reste exactement 4 fumes, ouais. Ouais, ouais, on est bon. Je fais une smoke rebond. Pique, push, smoke rebond. Je pique maintenant. Ok, ça elle donne est dégoupillée, donc tu veux quoi? Rebond ou. Il faut que t'envoies une face midi en fait pour envoyer derrière le bar pour être sûr qu'il y ait personne derrière le bar. Ok très bien, vas-y ouvre déjà. Ok j'open, je recule instant. La smoke est partie. Ok. Je prends le shield. Ok tu feras gaffe à ta gauche hein. Ouais, parce que c'est des sortes de limbos là où on peut voir à travers. Je vais prendre, j'avance tout doucement mais t'es pas obligé de me suivre hein. Ok, en face de moi, j'ai quelqu'un. Ouais, c'est le civil, le cuistot. Ouais, là. Qui vient de se mettre au sol. Ouais, tablier rouge. Affirmatif. Ok, bien pris. Ok, je suis derrière toi. J'ouvre. À gauche, je vois rien, mon poulet. Fais gaffe, je te laisse traverser. Je prends à gauche. Ouais, je prends à gauche. Ok, je vais aller taper derrière le bar, d'accord? Reçu. J'ouvre en même temps avec toi. Au fond du bar, rien. Derrière le bar, rien. Clear. Je prends mon arme. J'ai la ligne. Je tiens la ligne, tu y vas. Ok, reçu. Je vais main courante à gauche. Y'a rien là-bas. Hein. Ah si, c'est la porte du couloir en fait. Oh, mon dieu. Ok, on est bon, on est race. Ok, très bien. Non, c'est pas la porte du couloir. Si, c'est la porte du fond du couloir. Elle a pas de piège. Négatif. Tu peux l'ouvrir dans ce cas-là, ok? Ouais, Afi. Bah, ouais, ok. Ouais, je le gère, t'inquiète. You have anything on you? Ok, elle est lock. Putain, ils ont vraiment fait des trucs avec des coursifs, des couloirs qui rendent le même des personnes avec un certain sens de l'orientation, c'est assez désorientant au final. Donc là, c'est la kitchen. Ok. Pas de piège, bien évidemment. Ok. Ok. Ça veut pas pourtant. C'est pas fini hein, pour le coup. Ouais, c'est pour ça que je prends le bac au cas où. Ok. Du coup, où est-ce qu'on va? C'est ça la question. Là du coup en fait il faudrait réussir à contourner et arriver au-dessus de l'escalier où tu m'as fait ta blague avec Ayam. Au-dessus de l'escalier, faut remonter c'est ça que tu veux dire? C'est ça, Afi. Ouais. Là il y a une porte à ici ouais, il y avait ici ouais, la bibliothèque. Ok d'accord, vas-y. Okay. Du coup je vais te pique, mets-toi bien ici poulet. Attends, laisse-moi juste faire un effet, fermer la porte là. Ok, histoire qu'on ait pas un... Ok, bouge pas. S'il y a un mec qui nous décale... Ok, vas-y, dis-moi. Okay. Du coup, reste là où t'es. Ok. Je pique la porte, tu vas envoyer une smoke. Ok, ça marche. Donc, je tu vais veux rechecker quoi en dessous. Tu la veux où, la smoke? Peu importe. En vrai, là où... Si tu l'envoies face à tes midis quand tu... au pic, en fait, elle sera vraiment bien parce que ça donne derrière le... Derrière à droite de la bibliothèque. Okay. Bah, tu peux la piquer sans la pusher dans ce cas-là. Ok. Unwedge, pick, push. Unwedge, pick. Ouais, je pique.
Ok, à 3, t'es prêt? 1, 2, 3. Voilà, j'ai failli la kick. Je pique. Putain, forcément. Pas de 3, piège, hein. 2, 1, je pique, négatif. Check au cas où quand même, mais normalement c'est race. Hein. Ça passera pas, d'accord? Ok, je pousse un peu la vas-y, porte. Vas-y, non, 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 push-la entièrement et recule, okay, t'inquiète. 1, 2, 3, je push. Ok. Elle est pas bonne, tranquille, 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 ça va venir sur nous. Vas-y. Elle est bonne, la smoke, j'y vais, il est à 2h en rentrant, je push dessus, tout droit dessus, go. Il est pas smoke. Je sais pas où il est. J'ai pas de visuel non plus. Il est parti dans le couloir, il y a une porte ouverte. Ah, je vois rien avec la smoke. Je le fais tousser, okay, il est là sur moi, sur moi, sur moi. J'avance. Je le tiens en joue. Ok. La porte, garde la porte plus lui en joue, ok. Garde la porte plus lui en joue. Ouais. Ok, je suis sur ton épaule gauche. Reçu. Vas-y, je wedge la porte, garde-le en joue, Jean-Maurice là. Je peux pas wedger la porte, je m'en occupe, garde la porte. I need you to move. Move towards me. Move over here. You're not the first to be in handcuffs. Fils de tu. C'est bon. On a le compte, poulet. Nice. Ok, il manque les civils du coup. Il manque les civils et il va nous manquer les. Attention au piège. Ah les non, pièges. On a les civils aussi. Ok, là c'est juste les évidences qui nous manquent. Ok. Fais gaffe le piège. Ok, je check. Oui. Je check en dessous. Gaffe le piège, le piège. je te l'ai dit tout à l'heure, t'as envie de le prendre. Il y avait un piège ou pas? Là y'a un piège, hein? Non, dégage! Si, y'a un piège, y'a un piège! Non, je déconne! Je rigole, y'avait un mec là et je te l'ai pas dit, et boum, je suis bah niqué. Et donc, tu m'as dit non, les civils là-bas, le fauteuil civil, quoi. En revanche, sur non, la ligne dans laquelle, dans la bibliothèque, mec, bien vu, il était là, quoi. La ligne ouais, de c'est pour ça qu'en fait, pute, je voulais quoi. Que tu envoies ta smoke ici, en fait, au cas où pour... Oui, et c'est pour ça que je t'ai dit, je vais d'abord le faire en zèle, en l'envoyant, en l'ayant piqué, mais ça passait pas parce que la porte, elle s'est mise dans l'axe du mur. Ouais, du coup, ouais, je pouvais pas l'envoyer là. C'est... Et en fait, du coup, j'ai essayé de t'expliquer, l'étagère, il y a des visuels, en fait, il pouvait avoir un visuel sur nous, mais c'était compliqué d'expliquer. Ouais, non, bien sûr. Parce qu'en fait, ici, je le voyais pas, et en fait, pour moi, en fait, de là, en fait, j'avais les vitres, mais tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a peut-être un couloir, parce qu'en fait, pour passer là, en fait, j'étais pas sûr. Donc, Ok. Ok, bon, nickel. Du coup, bah let's go, on cherche les trucs et on y va. Je vais, tu t'occupes de cet étage, je vais monter à l'étage supérieur directement, ok? Reçu. Putain, c'était fat, hein. Ouais. Ouais, putain, ça fait chier d'avoir perdu Strike et Danny si bah ouais, si surtout que ça me fait chier que... pour eux, parce que bah, ils, vu que ils l'ont pas fait, quoi. Là, il y avait une arme, là, il y a une autre arme, il y a un paquet de trucs. Hein. Okay. On a les civils à bas. Nice, putain. Ouh, first try. Ouais, ça fait juste chier. À la limite, moi, ça me dérange jamais de mourir, tu vois, aux 20 derniers pourcents. Mais là, ils sont. Au final, je me suis pas rendu compte, mais parce que je me disais, allez, c'est fini, on a déjà fait pas mal de trucs et tout. Mais en fait, non. Et ils sont morts ouais, quasiment à 50%, quoi. Je suis désolé, Strike ouais. Et Danny. Bah Danny il est mort au un quart de la mission, ouais. Oh, un tiers. C'est pour ça que je dis quand on fait les trucs faut y aller vraiment. Après ça veut pas pour autant dire qu'il y a des erreurs ouais. De fait, mais faut y aller vraiment doucement. Quitte à balancer ah ouais, du stuff là, faut balancer du stuff rien, énormément ouais. Faut balancer 3 smokes sur le premier couloir. Vous rappelez le premier couloir comme on avait envie d'y aller en mode vas-y on y va, on rentre, on regarde à gauche, on regarde à droite. Il y a eu 2 mecs qui se sont décalés. C'est les, ouais. Ces mecs là ils comptent double par rapport à celui-là qui était plus simple pour le coup quoi. En fait le problème là c'est que Danny il a piqué la porte, il envoie une smoke, le mec a YouTube, été machin, il a proc. Danny ouvre la porte.